Hey, bienvenue dans ton live Godbrouche. Je te prends deux petites minutes de ton temps. Je te fais entrer en studio tout de suite après. On règle des choses bien importantes. Première des choses, on règle ça là. Il y a un abonnement papier à gagner à chacun des lives Godbrouche à Aventure Chasse-Pêche. Pour participer, c'est simple. Il y a trois endroits où est-ce que tu peux avoir des chances. Partage le live que tu écoutes présentement, c'est une chance. Tu le partages sur 20 groupes, tu as 20 chances. Tag dans les commentaires, dépendamment sur quelle plateforme tu es, les noms de tes amis, donc A commercial avec le nom de ton ami, c'est une chance par tag. Va aimer la page actuelle sur laquelle tu écoutes le live et les pages des partenaires qui sont dans le live, c'est 5 chances supplémentaires quand tu aimes la page. Fait que si tu calcules, tu peux avoir pas mal de chances de gagner ton abonnement. Ça, c'est réglé, ça se passe à tous les lives Godbrouche. Maintenant, sur les différentes plateformes, YouTube, 2 étapes super simples. Dans le bas de ton écran YouTube, juste en dessous de la vidéo, il y a un bouton qui est écrit « Subscribe » ou « S'inscrire ». Tu cliques dessus, tu viens de t'inscrire à notre chaîne YouTube. Juste à côté de ça, il y a une cloche. C'est très important d'aller cliquer sur la cloche pour être averti quand on publie des vidéos. Et évidemment, laisse tes commentaires en dessous de la vidéo. Dans le cas de Facebook maintenant, tu écoutes probablement présentement live sur Facebook. Première étape est de partager le live. Tu vas pouvoir, sur la page, aller cliquer sur « J'aime » évidemment. Et tu vas avoir une icône qui apparaît dans le bas pendant le live sur lequel tu peux cliquer pour être averti lorsque je tombe en live. Sur Instagram et les autres médias sociaux, eh bien, c'est s'abonner ou s'inscrire. Aussi simple que ça. Comme ça, tu manqueras pas de contenu. Je te lâche, je te laisse aller dans ton live Godbrouche. Hey, salut vous autres, comment ça va? Je cherchais le son, ça marchait pas, je fais comme tabarouette, hey, vous êtes déjà beaucoup à être arrivés. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ben oui, ça se connecte pas pire en tabarouette. Belle journée, hein? Oui, ça a fondu pas à peu près. Avez-vous hâte d'aller à la chasse? Avez-vous hâte d'aller à la chasse? Ben, à ce soir, on en parle de chasse en index, la soirée est très simple. J'ai quelques nouvelles à vous faire, mais je n'y aide pas trop longtemps là-dessus parce qu'on a ce soir un film en présentation gratuite de la part de Chasse Québec. L'équipe Chasse Québec, vous savez, on collabore beaucoup. C'est Michel Therrien et toute sa gang. On collabore beaucoup avec eux autres. La collaboration s'agrandit beaucoup. Donc, vous allez avoir un film gratuit ce soir signé Émile David de Chasse au dindon sauvage. Imbriqué avec ça, on a Michel Therrien et Steve Tardif qui viennent nous parler de dindons sauvages. Ils viennent nous parler, entre autres, des techniques qu'on va voir dans ce film-là. Fait que ce soir-là, prends des notes, pose des questions. S'il y a de quoi, on va reposer des questions sur les Facebook des gars. Par la suite, ils vont vous répondre. Là, vous le savez, taguez les noms de vos amis en commentaire, partagez ce live-là, la page ce soir pour avoir 5 chances supplémentaires de gagner ton abonnement de 2 ans au magazine papier Aventure Chasse-Pêche. Si tu as poursuivi le nouveau, là, il ressemble à ça ici, là. Wow! Avec les primes qui vont avec, gagne 5 chances supplémentaires. Donc, 5 chances supplémentaires si tu vas aimer la page de Chasse Québec sur Facebook. Donc, Chasse Québec sur Facebook, aime la page, 5 chances de plus. Parlant de concours, puis on reste un petit peu là-dedans rapidement, question de te présenter, qu'est-ce qui s'en vient? Première des choses, infolettre. L'infolettre, puis tu le vois, le site d'Aventure Chasse-Pêche bouge beaucoup ces temps-ci. Je vais te le présenter un petit peu plus tout à l'heure à la régie, si on peut me mettre exactement. Récolte gros, chasse aux indices. Tu veux t'abonner à l'infolettre, question de pouvoir participer à ce grand concours-là qui s'en vient. Mais il y a une autre raison pour laquelle tu veux t'abonner à l'infolettre. Le grand débrouillage d'aventure, chasse-pêche numérique. Ben oui, comme dans le temps, toi, le grand débrouillage. Tu t'abonnes à l'infolettre, tu vas recevoir un code dans la prochaine infolettre que tu vas recevoir qui va te permettre d'aller t'abonner donc sur la plateforme du 1er mai au 1er juillet. Les deux magazines actuels, donc les deux premiers magazines de l'année 30e anniversaire vont être en consultation gratuite pendant cette période-là. Par la suite, si tu veux continuer à garder ton abonnement, tu t'inscris, mais tu dois être abonné à l'infolettre pour recevoir le code. Ensuite de ça, les inscriptions de pourvoirie, si vous avez des amis qui sont pourvoyeurs dans la section territoire sur notre site, c'est gratuit, allez inscrire les pourvoiries, question d'aider les gens à trouver les bons renseignements. Maintenant, on s'en va dans, ça c'est fait, on n'y est pas trop longtemps là-dessus, sauf le chat, ok, parfait. Pour la prochaine nouvelle, on a, un enthousiaste ou encore un drôle de personnage qui nous aime bien gros, qui lorsqu'il a appris la nouvelle, vous savez, hein, on vous le dit
Aventure Chasse-Pêche va être diffusé sur le plan international dans la francophonie. On ne vous a pas encore dit de quelle façon, mais c'est là que je vous dis ça. Et puis, je vous présente une vidéo qui nous a été envoyée de probablement dans le fond d'un bayou en quelque part, quelqu'un qui a fait quelques années ou quelque chose comme ça. Mais écoute, lui était content de nous le dire. Je vous passe ça direct là. You know those two wackos from Adventure Fishing and Hunting? They are now airing on Corbin TV every Thursday. Don't miss it. Michel Therrien va me dire c'est quoi deux ans plus un jour ça? Ben oui, ben écoutez, c'est juste le fun d'avoir des petites niaiseries qu'on s'est faites entre nous autres qu'on a reçues comme ça, mais essentiellement, Corbin TV, qui est la chaîne numéro un présentement sur... bougez pas, on va juste enlever le truc de l'infolette ici. Qui est la chaîne numéro un présentement sur Amazon Roku, donc Amazon Fire, nous diffuse maintenant... Aventure Chasse-Pêche est la première chaîne ou la première émission francophone de l'histoire de Corbin TV. La première diffusion est en ligne présentement, donc vous pouvez voir littéralement Aventure Chasse-Pêche, il y a sa section sur Corbin TV. Corbin déploie présentement la partie francophone de sa chaîne dans les pays francophones à l'international. Donc, ça veut dire que Aventure Chasse-Pêche, dans les ententes qu'ils ont avec les diffuseurs télévisuels, entre autres, dans certains pays de la francophonie sur le plan mondial, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense, est diffusé maintenant avec Corbin TV. Ce que ça veut dire aussi, bon, première des choses, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de contenu sur Corbin TV. Si vous ne connaissez pas, c'est un énorme Netflix de la chasse et de la pêche. Il y a beaucoup, beaucoup de stock là-dessus. On est la première émission francophone. L'autre chose qui est super intéressante de Corbin TV, et je vais sauter à leur section qui est juste ici, c'est la façon de regarder Corbin TV. Que vous soyez avec un téléphone cellulaire, avec une tablette, un ordinateur ou encore une télévision, il y a une application au travers du Apple Store, au travers de Google Play, au travers de Fire TV, au travers de Roku. Donc, de partout dans le monde, de la façon que vous le voudrez, maintenant, vous pouvez écouter Aventure Chasse-Pêche. Ça va être diffusé sur Corbin TV à tous les jeudis. On parle de quelques dizaines de millions d'impressions par mois, le total en termes d'écoute du côté de Corbin TV. C'est en fait une des chaînes les plus grosses, si on le veut, sur la plateforme numérique dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air. Mais là, une autre nouvelle, je vous parlais tout à l'heure de Chasse Québec. Ben, nos amis de Chasse Québec, qui produisent aussi de la très bonne vidéo, comme vous allez le voir ce soir, eh bien, eux aussi, on va diffuser du contenu de Chasse Québec sur la chaîne Corbin TV, donc dans la section qui est réservée à Aventure Chasse-Pêche. Quand vous allez sur Corbin TV, vous allez voir très rapidement, je vais juste y retourner, on retourne sur Corbin TV ici, et je vous fais ça rapidement, vous allez sur Aventure Chasse-Pêche, que mon Internet est un petit peu lent, je m'en excuse. Vous allez sur la section Aventure Chasse-Pêche, ici, vous allez littéralement voir les vidéos qui sont publiées. Vous voyez, il y a un score qui existe pour les vidéos. Vous pouvez aller jouer là-dessus si vous le voulez. Vous allez voir les vidéos qui sont publiées. Alors, vont apparaître là-dedans les vidéos d'Aventure Chasse-Pêche, mais aussi les vidéos de Chasse Québec qu'on va diffuser très, très, très fièrement parce que les gars font du contenu oh que très, très, très intéressant. Dernière petite nouvelle et on saute à notre bloc principal, messieurs. Dernière gorgée de café parce que vous allez manquer de salive tout à l'heure pendant que je prépare. Des gros changements qui s'en viennent, vous les voyez présentement du côté d'Aventure Chasse-Pêche. La régie, si tu peux garder ton doigt pas loin du piton pour me partir la vidéo dans deux petites secondes, je vous présente ce qui s'en vient du côté d'Aventure Chasse-Pêche. Start-moi ça. Yeah. Ça vous donne du goût? Bon, c'est ça! C'est là qu'on s'en va! C'est là qu'on s'en va! Ce qu'on s'en va, on s'en va vous présenter un vrai Netflix de la chasse et de la pêche. Nos partenaires, Chasse Québec, Browning, etc., tous nos partenaires vont être les premiers à être mis de l'avant là-dedans. Mais surtout, l'accès à l'information au niveau de l'utilisateur. Les nœuds de pêche, les places à aller, les comment nettoyer un gun, mesurer le twist, choisir une munition, démonter un moulinet, leur monter, quel montage de leur faire avec les Félix Goulet de ce monde, etc. On va vous bourrer un site complètement nouveau genre, comme vous l'avez vu, de stock d'informations pour améliorer la qualité de vos journées de chasse et de pêche ou le bonheur que vous éprouvez dans ces journées de chasse ou de pêche-là. Évidemment, présentement, on est en transformation. Il peut arriver dans certains cas qu'il y ait une petite lenteur sur le site ou que certaines fonctionnalités bug d'une journée à l'autre.
parce qu'on est en train de mettre à jour les sections, section par section. C'est excessivement lourd, une plateforme comme celle-là. On ne peut pas l'implémenter en une journée. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des problèmes. Donc, on y va en dev, tranquillement, pas vite, un en arrière de l'autre. Dernier petit point, n'oubliez pas martinbourget.com. Vous allez vous inscrire sur le spot. Vous courez la chance de gagner une petite carabine de marque Mossberg, donc une 802 Plainster. Et c'est le temps d'aller vous abonner à l'infolettre de ce côté-là aussi. Il y a les deux infolettes, hein, Martin Bourget, Kate Nadeau-Merci. On fait aussi nos infolettes. En vous abonnant, vous les recevez. J'arrête ça là, je fais monter mes invités drette là, parce que ce qu'on veut écouter, c'est le film de notre gang de Chasse Québec. Michel Therrien, bonjour. Steve Tardif, bonjour. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Ça va bien? Oui, Martin. Yes, vous êtes prêts pour la chasse? Oui. On va avoir un très beau film à présenter, mais dans un premier temps, écoutez, je vais me permettre, Michel, tout le monde te connaît depuis 1928, au moins, OK? Tout le monde connaît Michel. Michel, Steve, moi, je le connais au travers de son podcast qui est Turkinator, qui est, en passant, c'est une idée géniale, géniale, géniale. Mais toi, tu le connais mieux que moi, puis j'aimerais ça que tu me le présentes, Steve. Moi, dans le fond, Steve, là, t'as dit, je n'avais entendu parler depuis longtemps, parce que quand le gouvernement, ils ont fait l'implantation, tu sais, l'introduction du dindon au Québec en 2001, quand la chasse a commencé, Steve, il était déjà là-dedans. Il était déjà en mode dindon. Puis, il donnait des conférences dès le début. Puis, qu'est-ce qui me plaît beaucoup de Steve? Il y a des gens qui faisaient beaucoup de parallèles entre la chasse à l'orignal puis la chasse au dindon. Parce que c'est quand même un bavard, le dindon. Il y a plusieurs types de vocalises. Puis, on peut l'attendre comme on peut aussi. On va le voir tantôt dans le film, faire des tracks, des offensives. Mais Steve, là, il m'épate le plus pour avoir parlé fréquemment. On est devenus des très bons amis. On l'introduit dans la famille Chasse Québec. Qu'est-ce qui m'impressionne de Steve, c'est le niveau de passion et de connaissance, le savoir qu'il a technique, mais le savoir aussi sur cet oiseau-là. Et à titre d'exemple, et ça, je pense que les auditeurs, ils vont être un peu séduits de comprendre ça, parce que, à mon avis, un fin connaisseur, un bon scientifique, quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un aussi qui pratique pas juste la chasse dans sa province ou la province voisine. Et en ce sens, Steve Tardif, je ne suis pas gêné de dire que c'est une sommité, parce que lui, il se fixe l'objectif de prélever un dindon par État américain. Dans le fond, lui, l'Alabama, la Floride, la Caroline, la Virginie, la Pennsylvanie, le Maine. Et en faisant ça, et là, il pourra nous le dire parce qu'il est rendu loin dans cette quête-là. Et qu'est-ce qui se passe en agissant de la sorte? C'est que là, il rencontre tous les Turkeymen du continent nord-américain. Fait que tous les grands qui ont écrit, qui ont développé des calls, qui ont développé des expertises, des techniques de chasse, toutes les nouveautés. Mais ben, Steve, il est là-dedans, tu sais. Puis, il y a pas si longtemps, parce que nos blondes respectives sont proches l'une de l'autre, fait qu'on est des amis qui on se croise fréquemment. Puis, il y a pas si longtemps, j'ai dit un mot concernant Steve, tu sais, j'ai dit ça à ma blonde. J'ai dit, ça reste assez rare que Steve, il revient pas sur le sujet du dindon. T'sais. On peut parler de n'importe quoi, là. On peut parler de culture, on peut parler de politique, on peut parler d'un paquet de sujets, mais à un moment donné, le dindon, il revient pareil. Toujours. Je parle de politique et de dindon dans la même phrase. Toujours. Je pense que le dindon est omniprésent. Puis le projet de la collecte dans différents États américains, ça fait combien de temps que tu entretiens ce projet-là? Bien, ça fait 10 ans que j'ai commencé la quête. Bien, toutes les années, je rajoute des états. Cette année, j'ai fait un état que j'avais déjà fait. J'ai été en Floride au mois de mars, mais je voulais rajouter des Grand Slams. Donc, l'accomplissement d'un Grand Slam, c'est récolter un spécimen de chacun des 4 sous-espèces majeures en Amérique du Nord. C'est-à-dire, on a le Eastern qu'on a ici, le Merriam, le Rio, puis le dindon Osceola en Floride. J'ai tué 2 beaux tomes Osceola en Floride, ce qui m'a permis de faire mon 2e et mon 3e Grand Slam. Parce que j'avais déjà pas mal de spécimens au niveau du Rio et du Merriam. Puis l'année prochaine, l'objectif, c'est de faire un Grand Slam en un mois. D'avoir les 4 espèces back-à-back un peu partout. Puis comme Michel disait, bien, c'est sûr qu'en étant là-dedans, puis j'ai vécu aussi aux États-Unis. Il y a 2 ans, fait que je restais dans le sud de l'Alabama, à la frontière avec la Floride, pour le travail. Donc, ça m'a permis de chasser là-bas. Puis, souvent, je vais faire une analogie avec les gens. Ils me demandent, c'est quoi la chasse au dindon là-bas? Là-bas, c'est une religion.
Là-bas, chasser le dindon, c'est comme être en, vraiment en symbiose avec la nature, avec le gibier, avec l'animal. Puis c'est des dindons qui sont chassés depuis les années 20. J'ai des livres ici là, qui datent même de 1915, 1928, des écrits, des excellents ouvrages. Puis sur la comment je dirais ça, pas juste la chasse, mais sur la vie en tant que telle de chasseur de dindons. Je pense qu'on est une espèce de chasseur qui était peut-être un peu différente des autres chasses. Puis ce que ça m'a permis, ben, comme je te disais, j'ai côtoyé des gens de ce milieu-là, des gens qui chassent le dindon depuis 35, 40, 50 ans, puis que, tu sais, des bagages de connaissances que ces gens-là m'ont transmis, que j'ai vécu. Puis pour venir à ma petite analogie, tu sais, au Québec, c'est comme si, mettons, en calibre de hockey, on chassait peut-être Midget B. Mais tandis que quand tu arrives dans le sud-est des États-Unis, c'est vraiment la Ligue nationale, puis c'est dans Syrie, puis tu es loin en Syrie, où chaque erreur va te coûter ton dindon. Juste pour te donner un exemple, j'ai eu une séquence de 9 jours de chasse sur le public, là-bas en Alabama, j'ai entendu 7 gobbles en 9 jours de chasse. J'ai fini par tuer, mais ça a tout pris, c'est toutes tes ressources, tout ton mental, tout est dédié vers ça, puis... T'sais, c'est tellement une belle chasse qui est faite de la bonne façon, quand on prend la peine de découvrir le gibier, ben ça nous ouvre un univers qui est totalement impressionnant, que ce soit au niveau des artisans qui font des appos, que ce soit au niveau de ceux qui chassent depuis longtemps, puis dans différents états, puis qui te racontent chaque état à sa particularité. Puis, t'sais, Antoine, Alabama, pour moi, c'était important, comme l'Alabama est... Le Missouri sont deux états mythiques aux États-Unis, puis la chasse au dindon, c'est comme le berceau de la chasse au dindon là-bas. Puis de réussir à en récolter un dindon là-bas, pour moi, ça avait une grosse signification. Puis c'est clair que je continue ma quête, puis à toutes les années, bien là, je vais rajouter d'autres états, probablement à la fin mai, on va aller dans le nord-est des États-Unis, tout dépendant de l'horaire, comment que ça coordonne, puis c'est un peu ça. Quand tu me parles, en beaucoup, beaucoup de jours, quelque peu de gobble, hein, tu dirais-tu que le dindon est plus éduqué là-bas parce qu'on le chasse depuis plus longtemps? Y a-t-il un niveau de difficulté qui est relatif à ça? Bien, ce qui arrive, là, le dindon devient éduqué de par sa génétique. Donc, les dindons les plus vocaux qui, année après année, sont tués par les chasseurs, donc, ceux qui sont les moins vocaux, bien, c'est eux qui vont avoir le plus de chances de se reproduire. Donc, génétiquement parlant, ces dindons-là vont reproduire des dindons qui vont être moins vocaux. Donc, c'est la manière qu'on a pour nous de rentrer en communication, c'est quand il répond à nos appels, puis de réussir à le convaincre, de réussir à le séduire pour qu'il arrive à porter tir. Mais si on n'est pas capable d'accomplir ce fait-là, là, il faut que tu le chasses de manière un peu comme à la chasse au chevreuil, que tu vas te poster sur un poste un peu à l'affût, puis tu essaies d'anticiper ces moindres mouvements. Mais quand tu arrives dans les forêts, comme mettons en Louisiane ou dans le Mississippi, dans le sud, on chassait dans le bayou, là, où tu as une visibilité qui est relativement nulle, c'est excessivement difficile après ça d'essayer d'anticiper ces mouvements. C'est sûr que de temps en temps, tu vas avoir un dindon coopératif, mais la majorité du temps, quand tu vas chasser ces dindons-là, bien, c'est vraiment de comprendre exactement où va se situer l'animal. L'animal va être perché dans tel ou tel arbre versus cette source de nourriture-là. La source de nourriture primaire va être là, donc va attrouper un maximum de dindons. Il va avoir une source de nourriture secondaire qui va être plus loin. Donc, tu tentes d'anticiper ses mouvements. Puis c'est de toujours être à l'avant de ton dindon pour de toujours être en mesure d'anticiper. Bien, il va faire ci, il va faire tel mouvement. D'un fois, il le fait, d'un fois, il ne le fait pas. C'est pour ça que souvent, même les chasseurs d'ici vont me le dire, tu sais, « Ah, Steve, les dindons ne sont pas coopératifs, sont avec les femelles, tout le kit, j'ai pas tué. » Non, si tu n'as pas tué, c'est pas parce que le dindon n'est pas coopératif, c'est parce que tu n'as pas su t'adapter, tu n'as pas su adapter tes stratégies en fonction de ce que le gibier te présentait. Ben, tu vois, Martin, ce que Steve vient de dire, là, ça nous rapporte à l'introduction, l'analogie avec la chasse à l'arnière. Tu sais, tout ce qu'il vient de dire là, tu prends un habitat qui est surtaxé de chasseurs, tu prends une ZEC qui a un taux de membership extrêmement élevé avec des VTT qui se promènent, des bateaux, des chasseurs de perdrix, puis les orgnaux qui sont en réclusion, sont vraiment cachés dans des endroits bien, bien spécifiques. Tu sais, le dernier article que j'ai écrit d'aventure, tu le sais très bien, Martin, j'ai parlé de la discrétion, à la limite, juste faire
Des petites localises bien discrètes. Parce qu'on a le même phénomène, tu sais, chez les gibiers qui sont très éduqués. Puis, on en parlait, Steve et moi. Puis ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, on est rendu à 24 345 chasseurs au Québec avec des taux de succès de 37 %. Puis Steve, qu'est-ce qu'il disait? Puis c'est à peu près inéluctable qu'il a raison. C'est que dans les années qui vont venir, là, les taux de succès à 35 40 %, là, d'après moi, on verra plus ça. C'est que là, on s'adresse, surtout, il y a de nouveaux chasseurs qui ont accès à des territoires, des terres privées, qui n'ont jamais été chassés depuis l'ouverture, tu sais. Alors, à ce moment-là, ce qui risque d'arriver, on va se retrouver avec des taux de succès qui vont baisser, probablement à bas de 30 % éventuellement, puis ça va ressembler au taux de succès qu'on voit aux États-Unis. Parce à cause de la même éducation? Ben oui, à cause de la même éducation. Exactement, à cause de l'éducation, mais aussi à cause des bagages héréditaires, que les dindons qui vont rester en place, qui vont passer au travers de la chasse, parce que eux, veulent pas. Oui, ils ont des prédateurs, tu sais, les ratons laveurs dans les nids, les pécans quand ils dorment le soir dans les arbres, les lynx, des trucs comme ça, les coyotes. Mais le gros prédateur, là, c'est nous autres, là. Ça va être l'homme blanc chasseur dans deux périodes de l'année. Puis en plus, on les chasse à l'automne. Fait que, tu sais, ils n'ont pas une longue période d'accalmie en nous ayant pas d'impact. Fait que là, on fait une deuxième chasse à l'automne. Ça remonte les réflexes d'adaptation. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant à comprendre. Et à mon humble avis, les vrais chasseurs, puis Steve, c'en est un, puis Martin aussi, t'en es un, quand il y a un défi, on aime chasser. Oui. Quand entre la proie puis l'assiette avec une belle poitrine de dindon, il y a l'exercice d'un continuum de choix d'action et de choix d'inaction aussi, parce qu'on peut faire des actions qui peuvent être préjudiciables et coûteuses pour le résultat. Et là, on rentre dans la tête de l'animal, tu sais. Et là, on en a au Québec de plus en plus des bons chasseurs de dindons, notamment parce qu'est-ce qu'on explique là? Non seulement ils l'ont lu, mais ils l'ont vécu. Fait que, tu sais, les grosses tentes, puis pas se mettre de masque, puis élever le fusil à la dernière minute, là, c'est sûr qu'on voit des belles photos des dindons qui sont prélevés. Mais les mauvais exercices qui ne concluent pas un succès, c'est des histoires, tu sais. Non, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais, on va parler de technique tantôt, là, puis hein, là, on va en venir, puis ça m'intéresse énormément ce que vous dites, puis il y a un point que je veux sortir de là. Michel Italo, lui, à soir, va vous présenter. Hey, je lui fais toujours deviner ce que je bois d'habitude le soir. Je vais voir dans deux petites secondes, genre de quoi de spécial pour vous autres pas mal. Il y en a un sur le café. Ah non, regarde, devinez donc c'est quoi. On va... on voit pas le sien, là. Moi, je vais vous le dire, regarde, on va vous le dire tout de suite ce que je bois, là, mais j'ai une question après ça qui est super intéressante. Fait que si vous devinez ce que Steve boit ce soir, hein, ben, quand on voté comme ça, là, c'est une couleur que le monde a bien aimé. Là, God Brousse ou Fille de Bois, là, celui qui gagne, j'ai en payé un personnellement. Je vous l'envoie par la poste dans la grandeur que vous le voudrez. Moi, ce soir, Michel, je fais un hommage à Go Bio. Je fais un hommage au terroir québécois ce soir. Puis, je fais un hommage à Cellule Intelligente qui, d'un fois, n'est pas très, très présente dans mes choix de boissons. Alors, ce soir, moi, je vais en voir un bon. Puis, écoute, honnêtement, là... Honnêtement, c'est le temps présentement, puis cette année, les acériculteurs l'ont eu rough en tabarouette parce que le gel a arrêté très, très, très de bonne heure. Puis encouragez-les. Hey, ça, c'est plein pour de vrai. C'est vraiment plein pour de vrai. Mais pour vrai, on va déguster ensemble, puis pour vrai, moi, quand je passe à côté d'un bidon, tu dis, on va mettre, comme ça. Non, mais c'est pas de l'alcool, on peut en mettre un petit peu plus, on est d'accord? Fait que moi, ce soir, je lève mon toast aux acériculteurs. Je lève mon toast au... va être un petit peu plein, hein, mais je vais le boire au complet direct à soir. Alors, dans mon cas, c'est un petit Johnny Lebel 2021, parce que ceux qui connaissent Johnny de l'aviron chasse-pêche, c'est aussi un acériculteur. Fait qu'on déguste ça, ça provient de ses berries à lui. Puis faites de même. T'es cœur, hein? Nos produits québécois sont... Laisse faire la bière, tombe sur le sirop d'érable, c'est bien meilleur. Bien meilleur. Ça réveille comme un café, check bien ça tantôt. Je reviens là-dessus. Une chose qui m'a. Mais là-dessus, elle t'a réveillé, Martin. Ouais, c'est... hein? Sugar Rush. Une chose qui m'intéresse énormément, puis moi, je l'ai étudié dans le domaine plus végétal. L'adaptation, la capacité d'adaptation d'une espèce dans sa génétique. Puis, tu sais, on l'a vu avec les études de Jérémy Fouleur sur l'île d'Anticosti. Hein, Jérémy, au travers de la chaire de recherche Anticosti à l'Université Laval, a déposé un mémoire de maîtrise là-dessus. Puis, on différenciait vraiment en décompte chromosomique une adaptation des espèces. Michel, Steve, les espèces peuvent vraiment s'adapter même de manière morphologique à leur environnement en suivant la génétique. Puis, quand on étudie nos animaux,
pas seulement que le call que le gars m'a vendu puis le gun pour tirer dessus, mais qu'on étudie nos animaux et ça devient un intérêt comme chasseur. On apprend ces choses-là. Puis c'est hyper intéressant. Oui, un des bons exemples, c'est sûr, Steve, il va en avoir avec les dindons, mais un des bons exemples de l'adaptation, puis lui, il faut qu'il survive, c'est les loups quand même, parce que tu regardes, les loups arctiques sont blancs, sont dans la neige quasiment toute l'année. Puis quand tu regardes la coloration et les hybridations des loups, tu vas regarder dans le parc de la Vérendrye, t'as plus une coloration foncée. Ils sont souvent dans du conifère, tu sais. Ils sont souvent dans la pessière épinette. Puis tu vas regarder les loups, exemple, pour les avoir fait coller depuis j'ai l'âge de 20 ans, là, les loups de Papineau-Labelle, c'est des hybridations. Tu sais, ils ont des. Même des trappeurs qui les capturent, on sait que c'est des hybridations, mais la fourrure est tellement longue qu'on sait que c'est un loup, parce qu'un coyote, même extra-large, il atteint pas ses tailles, le phénoménal-là. Mais quand tu regardes, sa fourrure n'est pas uniforme, tu sais. Un plaqué, un peu de roux dedans, et ça ne fait pas des manteaux de fourrure uniformes. Mais pour l'animal, ça lui plaît bien, parce qu'il travaille dans un environnement de castor, il travaille dans un environnement de chevreuil, il travaille dans un environnement d'orignaux, puis c'est pas un chasseur de grosses proies. C'est prouvé, si tu regardes l'adaptation, tous les loups d'Alaska, territoire du Nord-Ouest, c'est tous des gros loups, puis ils ont des plus grosses proies, ils attrapent même des bisons, des bœufs musqués. C'est important pour eux autres d'être plus gros. Mais quand tu t'en vas dans ces loups gris-là, ces sous-espèces de loups gris-là qui vivent plus proche des grands centres, comme en Outaouais, justement à Papineau-Labelle, la pourvoirie Kenok, c'est pas des gros loups. T'sais. Quand tu attrapes un loup là-bas qui pèse 72 livres, c'est un loup adulte qui a quelques années, mais des loups en haut de 100 livres, 115, 120 livres, il y en a beaucoup au Yukon, en Alaska. Puis ça, c'en est une merveilleuse adaptation. Puis on l'a chez le dindon, on l'a chez le chevreuil d'Anticosti. Mais tu sais, on l'a chez plusieurs panoplies d'espèces. T'sais. Puis ça, c'est fascinant. Là. Mais tu sais, comme pour au niveau du dindon, au niveau de l'adaptation, bien, on regarde, là, la chasse rouvre vendredi prochain. Puis ceux qui vont chasser dans les zones dans le nord de la zone 10, qui vont chasser dans les secteurs même proches de Tremblant, où il y a un couvert de neige encore présent, dans certains secteurs de la Beauce, on va avoir un dindon qui va être en mode d'alimentation hivernale. Donc, au fur et à mesure que notre saison va évoluer, on va voir pratiquement trois saisons. On va voir l'alimentation hivernale, l'alimentation printanière et un début d'alimentation estivale où, au fur et à mesure que la végétation va pousser, où, au fur et à mesure que les insectes vont éclore, puis que les sources de nourriture vont se déplacer, ils vont devenir tout dépendants du secteur, différentes et abondantes à différentes places aussi. Donc, de connaître les habitudes d'alimentation de son gibier, de connaître ses sources d'alimentation et de comment notre gibier va s'adapter à ses sources de nourriture et qui va s'adapter au niveau de sa nidification, au niveau de ses comportements d'accouplement, tout en, tu sais, en sachant que, surtout dans des secteurs où ce que on est en milieu forestier et non en milieu agricole, en sachant que son dindon va avoir tendance à migrer en cours de saison. Et c'est pas rare qu'on va commencer une saison tout de suite où, ce que, comme là, on a un printemps qui est très maussade, on a un printemps qui on ne fera pas de jeu de mots, mais qui est tardif, où ce qu'on a une température qui est difficile, où ce qu'on a une température qui est très difficile, qui est capricieuse, ça, on a un dindon qui, dans certains secteurs, se retient un peu, là, ça prend du temps, là, va continuer à s'alimenter avec ses alimentations d'hiver parce que tranquillement, le sol commence à se dégager de neige, mais ça peut changer quand même assez vite, ce qui peut pousser nos dindons vers un autre secteur complètement différent. Donc, en tant que chasseur, de connaître ça, de connaître son alimentation, mais pas juste de savoir qu'est-ce qu'un dindon mange, mais qu'est-ce qu'un dindon mange là, à cette période précise de l'année, en fonction de ce que la nature va y offrir comme opportunité. Puis c'est là qu'il faut s'adapter. Parce que oui, c'est beau de connaître tous les appôts et de maîtriser ses appels. Mais moi, je vais vous dire, là, quelqu'un qui connaît ses habitudes de gibier, puis quelqu'un qui connaît la forêt, part déjà en avant de quelqu'un qui peut être le meilleur caller au monde, puis qui va gagner à Nashville, à la convention de la NWTF, qui va gagner de gros chèques à tous les ans. Quelqu'un qui connaît sa forêt, qui connaît son territoire, qui connaît son gibier, après, il y a déjà là, 50% d'ouvrages de fait, il va avoir juste à s'appliquer et à travailler sur ses appels pour convaincre de rentrer en porte éthique, mais il va avoir des visuels sur son gibier. Il faut connaître son gibier.
Location, location, location. J'ai déjà entendu ça en quelque part. Puis, tu sais, on a l'opportunité à ce temps-ci de l'année, surtout si on est en milieu rural, même si on se déplace pour aller au travail le matin, vous les voyez, là. La minute que les touffes fumées en arrière des cultivateurs commencent à se dégarnir de neige, ils s'en vont là-dessus. C'est la première bouffe qui se dégarnit. Oups, en dessous des mangeoires à oiseaux d'un quartier résidentiel en entour des milieux ruraux. Au fur et à mesure que les patchs d'herbe chez les cultivateurs commencent à se dégager, à tous les matins, vous êtes capable de voir leur migration, vers où ils s'en vont. Enregistrez ce comportement-là, vous exactement. Le voyez tous les matins. C'est la même chose que, Michel, tu vas parler de distance tantôt, je fais une parenthèse. On donne comme truc d'un fois, pour vous habituer à vos distances, prenez le range entre deux poteaux en vous en allant au travail le matin, puis à tous les matins, vous passez à côté, ça c'est 250 pieds, ça c'est 250 pieds, ça c'est 250 pieds. On finit qu'on enregistre mentalement. Mais en observant vos animaux, de quelle façon ils se déplacent comme ça, vous allez comprendre la logique de déplacement quand vous allez arriver sur à peu près n'importe quel territoire, de où on peut commencer, puis vers où ils ont pu aller. Puis généralement, votre scouting la première soirée, avec votre corps de cornet ou quoi que ce soit, va résulter en un gobble qui va vous répondre dans un pain blanc, direct dans le coin où est-ce que vous allez avoir été, que vous avez choisi, parce que vous allez avoir un patronage de déplacement que vous allez avoir enregistré logique d'un dindon sauvage sur un territoire, un peu comme Michel avec ses longues vues sur sa carte après son mur qui trouve des ours. Pourquoi un film à montrer, là, au lieu de m'agacer? Oui, 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 mon icône de la chasse, toi. Je vais te montrer un film. T'as eu chaud! Non, c'est le chevreuil qui me souffle à l'oreille. C'est comme notre souffleur pour une rigueur dans notre présentation ce soir. C'est correct ça. Écoute, à la régie, est-ce qu'on peut partir le vidéo numéro 1 Chasse Québec Dindon live, s'il vous plaît? Sinon, je vais le partir. We'll be right back.
technique de decoy à l'approche un peu compliquée. Je sais pas si y a de quoi peaufiner, mais quand même proche, excitant quand tu es en arrière. Là, beau petit feeling. Ah non, t'as pas, c'est complètement malade, je veux faire ça. C'est fou ça comme approche. Ben, je veux qu'on en parle, là. C'était quoi ça? Tu sais, je vais te laisser aller parce que c'est quand même une technique que tu as profité depuis plus longtemps que moi, mais c'est sûr qu'il y a de quoi d'excitant là. Le gros défi, c'est sûr, Steve va en parler. C'est... Même Charlot, la semaine passée, il s'est mis à faire ça dans le champ pas loin de la maison, puis il était capable d'avoir des interactions. Mais Charlot, qu'est-ce qu'il me disait? T'sais, il n'a vraiment pas l'expertise de Steve, mais c'est un petit observateur, là, le jeune. Puis il dit le défi, c'est de réduire ta distance pour le tir. Parce qu'à une certaine distance, tu viens à bout de méduser le mâle, tu sais. Bien, plus qu'il approche, plus qu'il essaie de te contourner, je te dis que ça peut faire bizarre, une belle forme de dindon déployé, mais avec deux bottes, tu sais, qui ont l'air des pattes d'ours noir. Mais moi, j'ai cette année, tu vois, je vais l'essayer. Moi, j'ai envie de l'essayer cette année-là, mais en forestier, en territoire forestier, oui. Pour me rappeler la chasse à l'arnial, faire un peu d'embuscade, travailler avec la forêt qui est là, puis travailler avec des effets de surprise, tu vois, présentement, là, avec... Et mon chum Yannick Leroux, on a mis des caméras de surveillance. On commence à connaître les patterns. Tu sais, ça, on n'en parle pas tant que ça, mais des caméras de surveillance, là, il y a de quoi d'intéressant à travailler là. Là, quand tu vas au champ, il passe par où, il retourne par où dans le bois. Tu sais, là, tu peux peut-être envisager une stratégie comme ça, là, en te mettant dans la peau d'un dindon. Mais Steve, parle-nous-en. Puis probablement qu'aux États-Unis, ça fait toute la nuit des temps, là, cette approche-là est mise en valeur. Bien, c'est une approche qui est pratiquement ancestrale. C'est une approche que les Autochtones faisaient. Okay. C'est-à-dire, en anglais, on appelle ça du turkey reaping ou du fanning. Puis, une bonne traduction, ça serait une approche camouflée. En français, c'est-à-dire faire une approche camouflée. Donc, le but de la chose, c'est de se camoufler en arrière d'une queue de dindon qui peut être surdimensionnée. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Ou être en arrière d'un appelant et de se déplacer. Cette technique-là avait été pratiquée pendant des années et des années par les Autochtones aux États-Unis. Puis c'est une technique qui est comme un peu disparue, qui est comme réapparue, qui est comme revenue, si on peut dire, un peu à la mode, il y a à peu près une quinzaine d'années, un peu par hasard, parce que, bon, des chasseurs américains qui avaient essayé à peu près toutes les techniques différentes pour chasser un chasseur avait une queue de dindon en sa possession qui, des fois, se servait pour imiter un fly-down qui est un atterrissage de dindon au sol, donc tapait les plumes sur sa cuisse. S'est mis à l'agiter comme ça et s'est rendu compte que les dindons étaient très réceptifs. Tranquillement, pas vite, la nouvelle s'est répandue et les compagnies Primos, pour ne pas les nommer, puis toutes les grosses compagnies, les gros fabricants américains de produits de chasse ont emboîté le pas parce que tranquillement, on s'est rendu compte aussi que c'était vraiment une des rares faiblesses au niveau de la méfiance que les tomes ont. C'est une rare faiblesse qu'ils ont. C'est si le décor s'y prête, ils sont virtuellement incapables de résister à la vue d'une queue qui s'agite, tout le kit. Les instincts batailleurs, les instincts de protection de cheptel, de hiérarchisation du groupe prennent dessus et automatiquement on veut confronter de nouvelles intrus. Donnez un exemple, l'année passée, je suis avec un de mes amis, il venait d'abattre son deuxième dindon, donc on n'avait plus de tag, rien, tout était réglé, moi je le guidais, tout. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, ça gobble un peu plus loin, on va aller voir ça. Il y avait une queue, lui, comme ça, en tissu. Je l'ai acheté. Il y avait 8 tomes ensemble. Il y en a 3 qui sont venus à portée de bras. À portée de bras? À portée de bras, j'ai une petite vidéo. Si on veut, je te l'enverrai, j'ai une petite vidéo. C'est drôle, j'attendais tir comme prochain mot, tu sais, dans l'esprit. Portée de bras. À portée de bras. Portée de bras. Gang, là. Ça veut dire que... Sur YouTube... Oui, vas-y, Marc. Quelqu'un qui se pratique, là, comme Charlot présentement, là, il peut finir par faire de quoi de pas pire en tabarouette. Surtout que, là, ce que tu parles, c'est aux États-Unis. Oui. Nous autres, on est au Québec. L'éducation n'est pas rendue au même point qu'elle est aux États-Unis que les dindons du Québec. Non. Fait qu'il y a espoir pour Charlot de nous sortir un maudit bon vidéo pour l'année prochaine. C'est pas un défi pantoute, mais je te dis ça de même, Charlot. Mais,
je vais juste, je vais remettre un bémol sur cette technique-là qui, oui, peut être enivrante et remplie d'adrénaline, mais est à haut risque. Parce que, veux pas, si vous chassez dans un secteur où il y a d'autres chasseurs qui sont limites sur, exemple, vous chassez, c'est à peu près sur la même ligne, vous êtes dos à dos, si vous commencez à faire ça, si jamais il y a quelqu'un qui a l'intention, des fois, de traverser la ligne ou qui voit de quoi, tu sais, pratiquez cette technique-là, où est-ce que ça va vous permettre d'avoir un endroit sécuritaire. À la limite, si vous êtes deux ou trois, mettez un spotter, un gars qui va, un éclaireur qui va regarder, s'assurer que la manœuvre se déroule de manière sécuritaire pour pas qu'il y ait d'incident. Puis, mon point, Steve, pour vrai, parce que la sécurité, à un moment donné, ça prend juste un accident regrettable, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme les gars avec des palettes d'orgnaux sur la tête, là. Exactement. Ça m'est arrivé, là, et c'est la même dynamique qui s'empare du bas carnial, là, quand il arrive, là, avec l'œil blanc, puis il balance son panache de même, là, puis, je dis tout le temps dans mes formations, il cracherait un avion, là, cracherait un Cessna et continuerait pareil. Exact. Il est complètement enveloppé, mais, tu sais, ça m'est arrivé quelque soir, moi, de sortir à Brunante. Il restait 15-20 minutes de chasse. Je suis arrivé avec ma palette sur le bord de la tête parce que j'avais entendu craquer. Puis il y a eu des scénarisations, là, des scénarios où, tu sais, fait sombre, là, on est à l'arc, on n'a pas de dossard parce qu'on est à l'arc ou à l'arbalète. J'ai une palette à côté de la tête. J'aurais peut-être pas avoir un trou dans mon gilet à un moment donné. Mais c'est bon de se rappeler ces choses-là parce que, tu vois, le charlot, il est en dehors de la chasse. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, aussi, tu as des terres, il y a une clôture, tu es le seul qui a permission, il n'y a pas de trace de pick-up, puis l'autre bord, il n'y a pas de chemin, puis, tu sais, à un moment donné, il faut juste être rigoureux. Exact. Notre façon de se comporter, tu sais. Parce que c'est une technique qui est le fun, tu sais, puis qui est dynamique, puis les gars qui vont la faire, un peu comme on l'a vu dans le film, là, on le voit, il n'y a pas un sourire à peu près, lui-là, là, quand il arrive avec ses capteurs. L'accomplissement de ça, c'est malade. Non, c'est sûr, là. Tu vas nous donner, c'est trippant, là, parce que tu as été. Tu as réussi à déjouer. Puis tu sais, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, tu vois les futurs chasseurs, des futurs collecteurs d'animaux, on va dire comme ça. Tu as vraiment, puis on le voit nous autres, on a cinq enfants, puis on le voit ceux qui sont comme, OK, je vais me donner le défi, puis ça se peut que ce ne soit pas moi qui gagne cette fois-là. Ça se peut que ce soit l'animal qui gagne, puis je vais le respecter. Mais là-dedans, il y a de ça, puis ça devient trippant de vraiment pouvoir faire comme, là, c'est pas un guet-apens, je ne vais pas prendre l'embuscade, je suis monté dessus avec un decoy en bouclier, comme dans le temps avec une lance, sauf que Hey, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, Pente. Ben, by the way, on reçoit des. Je te dis ça de même, Steve, là, puis dis pas tout de suite qu'est-ce que tu bois, là. Mais on reçoit des affaires, ça n'a pas de bon sens. Alors, tu bois de la Smirnoff, Berry Blast Vodka, il y en a, ils vendent. C'est-tu du Wild Turkey, bouillon de dindon, Pabst Blue Ribbon, de la bouche. Il y a. De l'eau pétillante, du thé, de la limonade, du thé glacé. Et je n'étais pas idée, je ne sais pas, là, mais un café, ouais, bière de microbrasse, jus de fruits, café, Pellegrino, orange crotte, gin tonic en canette, de l'eau, soda water, Bacardi, rhum. Je pense que j'ai une tisane, du vin rouge. Je pense que je n'ai jamais eu autant de guette. White Claw, un liquide, Chris. Un liquide, hein, oui. Du gaz à souffleuse. Un tonic. Je pense que j'ai jamais eu autant de monde qui guesse comme ça. Fait qu'on tient ça de même. Le prix bon. À gagner, hein? Un beau t-shirt, un gars de brousse au fil de bois dans ces couleurs-là. Fait que tiens ça mort pour l'instant. Tiens ça mort pour l'instant, puis continue à guesser qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vais juste rajouter un petit quelque chose au niveau de cette j'aime technique-là. Ça, Steve. Hey, Steve, ça, j'aime ça quand tu reviens au niveau des aspects techniques. Parce que moi, c'est pas mon premier live avec Martin. Et puis, à un moment donné, il part, là. T'sais. On part, là. On part, là! On sait pas trop, là! C'est le sirop d'érable! Ah, il va nous parler de la biochimie mécanique de quelque chose. Là, toi, c'est bon, Steve, tu l'as, là, tu reviens, on est dans une technique de chasse au dindon, c'était ça, le titre. Mais, juste, justement, pour venir sur cette technique-là, il y a certains États qui ont commencé à légiférer pour l'interdire. Notamment à cause qu'il est arrivé des accidents, et certains puristes trouvent que cette technique-là donne encore moins de chance au dindon que de l'appeler. On aurait tendance à penser que oui, c'est plus difficile. Au niveau physique, ça peut sembler oui, c'est plus difficile parce qu'il faut que tu camoufles tes mouvements, puis il faut que tu synchronises parfaitement le moment que tu vas mettre ton, ton,
ton appelant ou la queue qui te camoufle au sol et que tu épaules ton fusil puis que tu fais ta mise à feu. Tandis que appeler un dindon puis le convaincre et le travailler, c'est jugé. Puis je suis un peu à cheval entre les deux. Ça dépend des situations. Comme tout, il y a des dindons, il y a toutes sortes de dindons. Je veux dire, c'est pas toujours les mêmes scénarios qui se présentent. Mais c'est sûr que cette technique-là a fait beaucoup jaser aux États-Unis, puis elle est très, très, très controversée. Puis tranquillement, mais sûrement, un des derniers États qui l'a interdit, c'est la Pennsylvanie, entre autres. Mais tu sais, c'est pas mal décrié, notamment par les puristes, je vous dirais. Les chasseurs plus âgés regardent les jeunes faire ça, puis les cheveux leur dressent en tête un peu. Là. Fait que, c'est bon. Personnellement, si j'ai l'occasion de le faire, je vais le pratiquer. Et comme Michel m'a déjà entendu coller, je suis très bien, parfaitement capable de coller un dindon. Mais c'est juste que ça ajoute une autre dimension, une autre dynamique à notre chasse qui n'est pas à négliger. Parlant de calls, Steve, là, admettons dans un contexte comme ça, puis je ne t'ai pas à soir pour en faire des calls. Dans un contexte comme ça, où toi, tu ferais une traque en allant vers le dindon, parce que, tu sais, dans le fond, c'est bien que tu précises l'éthique de la chasse. Puis c'est bien aussi que des États américains mettent des limites par rapport à ça. Puis, tu sais, on le voit des fois même le débordement au niveau de l'apportage de chez Chevreuil avec des trucks une demi-tonne remplis de carottes jusqu'aux toiles. Mais c'est correct qu'à un moment donné, il y ait ce sens éthique-là. Mais prends exemple, mettons que je guiderais un jeune au dindon, là, sous peu, là, un jeune qui est hyper actif en classe et que lui, il ne veut pas rester à l'affût. Au moment où, mettons, la veille, là, je sais, j'ai trouvé mes dortoirs, j'ai pris mes jumelles, je sais qu'il y a des tomes, je sais où ils sont, j'ai une caméra de surveillance, je sais où ils s'en vont. C'est quoi, avec dans le fond, ton domaine, ta queue de dindon, c'est quoi, toi, tes vocalises que tu vas faire quand tu vas t'y rendre vers ce dindon-là pour le méduser puis jouer dans ta tête? En matière d'orignal, je me doute bien de la réponse. Hein. En matière d'orignal, on fait des gros grandes de bord, tu sais, puis on attaque. Mais le dindon, d'après moi, c'est la même affaire. Là. Généralement, ce dindon-là, il va être en mode un peu agressif. Il y a des bonnes chances aussi que quand il commence à percevoir tes mouvements se dirigeant vers lui, il n'est pas complètement fou non plus. Oui, il va être omnibulé, il va avoir un niveau d'agressivité, mais en même temps, il y a comme un niveau d'alarme qui grimpe en même temps, en parallèle. Le cadre que moi, je privilégierais, puis quand je vois des dindons qui sont un peu alarmés puis qui commencent à être un peu paniqués, moi, je vais y aller avec des peurs. Je vais faire des petits peurs, tout simplement. Puis, out of nowhere, là, je sens ça nulle part, mais ce son-là a tendance à calmer les dindons. On émite une dinde ou un dindon qui est en phase de nourriture. Là. Il est en phase de nourrissage, il est en train de se nourrir tranquillement. Un call de routine. Puis peux-tu le faire, Steve, si tu l'as proche de toi? Un petit peu comme ça. On peut le faire avec un appât à friction, mais c'est sûr que là, si on se dirige, on a un appelant dans les mains pour nous camoufler, on a le fusil aussi, ça devient un peu plus difficile. Donc, on y va tranquillement. Tout simplement comme ça. Puis après, on dirait qu'il a déjà fait ça, hein, Martin? Ben, ouais, il est en train de me calmer, là. T'es en train de calmer le gros dindon. Moi, c'est j'en ai qui traînent un peu partout parce que, honnêtement, je suis encore à la phase de baver un peu partout. Ça, c'en est un de elk que je suis en train de pratiquer avec le grand cornet. J'ai encore beaucoup, beaucoup de misère, moi, avec les diaphragmes. Ça, c'est quelque chose que, éventuellement, là, si jamais ça te tente de faire une clinique là-dessus, là, moi, j'achète des billets, là, c'est sûr et certain. Là, parce que je produis beaucoup, beaucoup de bave quand je cale avec ça. Mais c'est un atout considérable. Oui, bien écoute, ça te permet d'avoir les mains libres. Puis c'est le gros avantage de ce cale-là. Malgré le fait que ce n'est pas un appôt qui va être très durable, au-delà de 2 ans, dont lui, là, le latex commence à être fané parce que je le lis plus souvent dans la bouche que d'autres choses, je suis tout le temps en train de caler, puis tout le kit. Fait que lui, il commence à faner un peu. Puis...
Mais ça te permet. Puis pour la pratique, c'est au début, les gens essayent de trop faire des sons de dindon. Mais tout ce qu'on a à faire au début... qu'on fait au début, on fait juste émettre des sons. Il y a deux sons dans un yet, puis il y a le haut et le bas. I, A, I, A, I. Et on raccourcit l'ellipse du son, l'onde du son, et on la raccourcit pour nous donner I, A, I, A, I, yep, 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 tout simplement. Puis le pur, on va aller faire rouler l'air contre le haut de son palais. Avec ta langue. Exact. C'est ta langue qui vient faire le vibrato. La langue qui vient faire la vibration et l'air qui vient ricocher sur les membranes. Si on va faire un gobble avec un diaphragme, lui, il fait moins bien parce que c'est une membrane qui est un peu plus souple. Puis le combo cut, il fait moins bien, il va faire un peu moins grave, mais ça se fait. On dit tocata. Tocata, tocata, tocata. Fait que lui, il fait un peu plus aigu, mais j'ai d'autres diaphragmes qui vont faire un gobble parfait. Démissionne, Mike. Démissionne. Je te pose une question, on revient sur le call duquel tu parlais pour approcher, qui est un call qu'on va se servir aussi souvent quand on est en walk and talk ou encore quand on est en tente, quand on veut, il y a justement un niveau d'alarme qui, ça monte au jaune, là, puis on veut redescendre ça au vert, là, on veut utiliser le PUR assez rapidement. Tu as nommé l'ardoise avec laquelle on peut le faire. Si je ne suis vraiment pas capable d'utiliser un diaphragme, mes options, c'est quoi? L'ardoise, je peux le faire avec ça. Est-ce que j'ai d'autres options pour faire ce PUR-là? Oui, ceux qui vont être les plus habiles manuellement parlant, va être en mesure de le faire avec une boîte. Pour engendrer une bonne friction, pour faire un PUR avec une boîte, on va appeler ça le PUR, dans le fond, on va le traduire en français, ça va être le roucoulement. Pour faire le son du roucoulement, on va donner un petit quart de tour à sa boîte et on va y mettre un peu plus de craie. Et quand on va commencer son mouvement, on connaît tous ceux qui ont chassé le dindon, la boîte connaît le mouvement, on déplace la palette sur son caisson de résonance. Donc, on a un côté sur le bord du caisson de résonance qui, lui, va engendrer une friction avec la version, la surface concave de la boîte. Donc, on vient y mettre une légère pression, puis on y va tranquillement. Puis, on va être en mesure de faire un peu avec ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des true calls qui vont être un appôt à friction, au lieu d'être rond, eux autres vont être faits en long. Ils vont être à peu près de la grosseur d'une carte de crédit. Légèrement, c'est un petit peu plus gros. Et on va prendre un percuteur et on va venir le faire ricocher, le même principe. Et ce que j'aime avec les True Call, je vais trouver une version française pour ce call-là aussi. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est ce genre d'appôt-là qui fait les meilleurs peurs. J'ai des PUR potes, j'ai des appôts à friction là, qui sont un peu plus épais avec un caisson de résonance. On va avoir un double ardoise, on va avoir ardoise sur ardoise qui vont me donner encore un son de roucoulement un peu plus sourd, un peu plus riche. Puis c'est ce son-là qu'on veut venir chercher, quelque chose de sourd, quelque chose de riche pour imiter parfaitement une dingue qui s'alimente. Parce qu'il y a deux PUR. Il y a deux. Il y a le Fighting PUR qui, lui, va simuler un combat entre deux dindons qui, ça aussi, peut vous permettre de récolter votre tome. Ça, on émite deux tomes, ou ça peut être un tome inject, on émite deux mâles qui se chamaillent entre eux autres. Là, des fois, je vais faire mon Clock and PUR, je vais faire mon PUR, je vais gratter au sol tranquillement. Puis, c'est juste pour rajouter au réalisme. Tu vas ajuster le sol physiquement. Toujours. Je vais gratter exactement comme une dinde le ferait. Je vais gratter de manière, je vais prendre trois doigts et je vais gratter de saccadé. Un dindon, là, ça ne fait pas doucement. Ça donne des coups. C'est saccadé. Je vais faire la même chose. Et quand je vais faire mon Fighting PUR, un peu le principe que si, mettons, là, on faisait une séance de rattling, là, que ce soit au chevreuil ou à l'arignal, on va casser des branches, on agite, tout dépendant de l'intensité du combat qu'on veut simuler. Un peu le même principe au dindon. C'est sûr qu'on ne se met pas à pitcher sa veste, puis la chaise, puis la tente d'un bord, puis de l'autre. On va gratter un peu plus, puis là, on y rajoute des Fighting PUR. Souvent, ce son-là va simuler autant notre tome que
agiter une queue, ce qu'on parlait, la technique d'approche camouflée de tantôt. Ça va venir le chercher, ça va venir le stimuler à un point qu'il va s'approcher de nous. Tu sais, les gens, là, pensent toujours en fonction de un call, le yelp, puis on y va avec notre boîte, on y va avec notre pote, puis on y va. Il ne faut pas oublier là, que biologiquement parlant, puis ça fait longtemps que je dis ça, puis dans mes formations, tout le kit, le tome, la raison pourquoi il y a une belle queue, puis qu'il a la tête trois couleurs, c'est que c'est lui qui attire les femelles avec son gabon. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on brise ce cycle biologique-là. Donc, on attire le tome à nous. Mais souvent, ça ne suffit pas parce que le tome va être à la remorque de femelles. Donc, il faut trouver d'autres stimuli. Et ce stimuli-là, soit le fighting purr ou gratter au sol, souvent, ce qu'on va se mettre à faire, on va se mettre à parler aux femelles. On va se mettre à parler aux dindes. On va simuler une situation d'alimentation. L'année passée, là, j'avais trois tomes avec un groupe de femelles. Il était environ à 300 verges de moi. Je ne voulais rien savoir de mes appels, tout le kit. J'ai simplement décidé de les ignorer et de commencer à jaser avec les femmes. J'ai dit, bon, les gars ne veulent pas jaser. On va jaser avec les femmes. Bon, puis, comment ça va? Puis, ils sont beaux tes souliers. T'en vas voir, t'as écouté ça, cette série-là. Là, tranquillement, pas vite. T'es qui, toi? Tranquillement, pas vite. Oups, les femelles sont venues pour voir qui mangeait là. Qu'est-ce qui se passait? Ça avait l'air intéressant. Et je me servais de mon diaphragme. Et dans les mains, j'avais mon pote. Je faisais deux dindes qui conversaient entre elles. Il ne se souciait pas de ce qui se passait là. Là, tu faisais le purr à ce moment-là aussi? Je faisais des séries de clock and purr. Et okay. Tu cloques. Un clock, c'est comme j'expliquais justement dans le podcast cette semaine, le clock, c'est comme l'équivalent de Marco Polo. Le clock, c'est Marco, puis l'autre dindon répond avec son clock, Polo. Marco, okay. Polo. C'est, et le clock, c'est un son qu'on néglige tout le temps parce qu'on est tellement focusé à entendre un gobble. Puis c'est ça qui nous drive, qu'on oublie que ce corps-là, c'est le corps le plus utilisé, c'est l'appel le plus utilisé par le dindon. Et c'est lui qui est très subtil. Et des fois, là, on est en plein bois, là, puis là, on prend le temps que les choses se calment, puis on écoute « cloc, cloc, oh, oh ». Là, on rentre en communication avec. Ça stimule beaucoup. Dans le fond, ça me fait penser aux prises de contact chez l'ornial, tu sais. Parce qu'on l'entend souvent, on l'entend toute heure du jour. C'est un call de socialisation. C'est un call aussi qui envoie le message que tout, il n'y a pas d'anxiété dans le bois. Exact. C'est un call de routine. Tout à fait. Exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Prise de contact. Un outil que moi, j'ai eu quand j'ai fait ma première chasse au dindon, que j'avais adoré, puis qui me permettait de faire des clocks puis des purrs comme ça, c'est Quaker Box qui le faisait. C'est un bouton poussoir, un push-button. Oui, push-button. Si tu pas, si tu ne le pognes pas avec une boîte ou un ardoise ou encore un diaphragme, ça peut être un très bon atout. Là. Ça peut le faire. La seule affaire avec les push-button, c'est qu'ils ont tendance à s'user à la longue. Fait que quand vous l'utilisez, assurez-vous, parce que les autres corps, on est plus habitué, on a plus le réflexe déconditionné. La boîte et tout. Puis je vais faire un petit aparté sur le conditionnement de câble. Pour ceux-là, le 29, là. Arrivez pas le 29 au matin sur votre spot, puis commencez pas à conditionner vos câbles, à sabler vos potes, à mettre de la grippe, à faire du mouvement. Non, non, non. Faites ça le jeudi. Puis prenez habitude, à chaque fois que vous allez sortir du bois, puis que là, votre journée de chasse est finie, il est rendu midi, sortez vos câbles de votre veste, faites l'inventaire. Si vous avez la chance de chasser pas loin que moi, vous allez sûrement trouver des miens. J'en perds un ou deux ou trois à chaque année parce que je m'éparpille et tout. Là, oups, passe de quoi? Je pars à la course. Pis... Bon. Pareil comme Charlot. Charlot n'a plus besoin. Il a juste besoin d'un diaphragme et d'un dica. Il fait ça avec un bouclier et la voilà. Lance. Hey, le chevreuil, il me souffle qu'on ait un autre bout de film, je pense, Martin, tantôt. Oui, oui. Il y a une question qui a été posée. Là. Je ne veux juste pas qu'on l'oublie. Au pire, on y reviendra tantôt. Prenez-la en note. Là. Mais les câbles à l'automne, c'est assez récent pour les Québécois d'avoir la chasse à l'automne. Là. On y reviendra tantôt. Mais voulez-vous qu'on clenche le prochain bout de film? Oui, parce qu'on va faire du chou avec ce qu'ils viennent de dire. Puis on va chien de chasse être capable vrai, de revenir sur les informations. Là. Tout qu'un chien de chasse, c'est pas possible. Oh oui, il va chercher des dindons, lui. Salut les boys, en passant. Je me suis comme immiscée dans votre live. Vous avez du monde qui vous écoute à soir. Hey, gang, en passant, moi, je vois pas trop de tags apparaître. Je sais pas ce que vous faites, là. Vous dormez au gars. Je sais que les gars sont super intéressants. Taguez votre monde. Taguez votre monde. Partagez, likez. Allez liker la page à Michel si c'est pas déjà fait. Même chose pour Steve. Commande, on vous a mis les liens en commentaire. Je vais revenir tantôt, question que vous oubliez pas.
Parlant des liens, prenez la peine de les copier. On a mis le lien, entre autres, du podcast de Steve en commentaire. Prenez-le, là, pour vrai, là, je veux dire, aujourd'hui, Spotify, sur votre téléphone, c'est super facile. Dans le char, tu fais de la route, tu clenches le podcast à Steve. C'est le temps, là. C'est un petit peu comme avant l'Orignal, on a toutes nos clés USB de Michel, puis tout le monde nous regarde de travers aux lumières de... Parce qu'on est... Qu'est-ce qu'ils font là? Bien là, c'est le temps du dindon, c'est le temps d'écouter les podcasts de Steve dans votre char. On vous a mis le lien dans les commentaires. Allez le chercher, c'est marqué là, Spotify, là, cliquez là-dessus. Disponible sur Apple aussi. Oui, oui, pour ceux qui ont des Apple, vous pouvez l'avoir aussi. Parfait, très, très bonne. Ça ne m'arrivera pas. C'est un Marco, oui? Toi, t'aimes ça, les concours, t'as parlé de la clé USB. Moi, je vais offrir une clé USB à celui ou celle qui va trouver le nom du chien. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais ça, c'est top. On le va réapparaître tantôt, là, mais celui qui trouve le nom du chien, oui, puis c'est pas croquette. Il va falloir que tu donnes un petit... peut-être que tu donnes un petit truc, là, pour que les gens aient plus de... Ben moi, je vais renchérir. M'a donné un diaphragme, neuf, pas usagé, à celui qui va trouver le nom de l'espèce du dindon qui est en arrière de moi. Ah, ça, c'est bon. On retourne dans la science. On récapitule. Mike, si vous trouvez le nom du chien de chasse que vous venez de voir partir, chien de chasse spécialisé dans le dindon et dans le grizzly, attention, si vous trouvez le nom de ce chien-là, Mike vous offre une clé USB. C'est Orignal. C'est Orignal et Chevreuil, c'est Orignal. Ouais, hein? C'est les deux dedans. Orignal, Chevreuil. Il y a une affaire que je voulais spécifier pendant que, parce que j'en fais pas souvent des lives, là, en fait sporadiquement. Je voulais spécifier quelque chose puis j'aimerais le dire aux auditeurs. Il y a quelques semaines, Pierre Guilbeault, M. Orignal, est décédé. Oui. Ça, c'est un homme que j'avais un immense respect. C'est un gars qui a gagné sa vie aussi dans le milieu de la justice. Il a même fait un poème, ses orgnaux. Il avait une belle rigueur dans sa façon de travailler. Puis il était très innovateur pour son époque. Et puis, justement, dans la clé USB, là, l'univers des appels, à la fin, j'y ai rendu hommage. Et son poème se retrouve là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand il est décédé, qui m'ont dit... Moi, c'était quelque chose que je voulais immortaliser dans ma vie, ce poème-là. Puis quoi de mieux que de le mettre dans une production vocale qui traite avec rigueur des vocalistes, des cervidés. Fait que c'est une personne, moi, qui a eu de l'impact là, un peu quand j'étais petit gars, quand j'envoyais les premières revues, il écrivait là-dedans. Puis avec son cornet d'écorce, il urinait dans l'eau. Puis tu sais, c'était un gars qui se donnait à chasse à l'orignal. Quand tu fais des poèmes sur un animal que tu chasses, il y a quelque chose là-dedans qui est touchant, tu sais. Et ça, c'est important à mes yeux, qu'il y a encore des chasseurs de même. Puis, Steve, t'en es un comme ça, toi, par rapport au dindon. Il te reste à écrire un poème. Ça en vient, ça en vient. Quand tu m'appelles. Michel, si vous trouvez le nom du chien de chasse spécialisé au grizzly, vous gagnez la clé USB. Dans le cas de Steve, on gagne un diaphragme non usagé, si vous devinez le nom, le premier qui va deviner le nom du dindon à l'arrière. Je vous rappelle qu'on ne fait pas les finalités des concours dans le live parce qu'on est rendu à combien de commentaires? Là? On est rendu à 400. Là, c'est gelé dans mon écran. Là, fait qu'on finit les lives avec des histoires de 1000 commentaires. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le temps de le trouver pendant le live, mais dans la journée qui suit le live, on vous annonce ce que c'est et on vous envoie vos choses sans aucun problème. On y va-tu pour la prochaine section de films? Oui, moi, je propose ça. Puis, hey, Martin, n'oublie pas, parce que dans l'après-midi, j'ai fait un post avec la photo d'Émile David. Parce que c'est un film d'Émile qu'on va voir. Puis, Émile, c'est un excellent chasseur de dindons aussi. On en parle, n'inquiète pas. Oui, mais j'ai une anecdote à compter qui est incroyable. Tu la gardes pour après ou tu veux en parler là? Après. Parfait. Tout de suite après. En régie, on part tout ça ou je vais aller à partir? Ton premier dindon, hein? Ouais, c'est ben, lui, c'est, en fait, c'est mon deuxième dindon. Et le premier est là-bas. L'itération, c'est malade. Il est beau, hein? Non, c'est un beau temps. Ouais.
Hey, félicitations! Caroline, t'as mis ça? Ah! Seigneur, je suis content. Pis, de cœur, y a-tu. Un peu, ouais, j'étais nerveux, là. T'étais nerveux, hein? Un peu, ouais. Pis, c'était-tu une distance assez longue, distance? 15 mètres, genre? 15 mètres, quand même! Ouais, c'est calé ou. Tout le long. Wow. Wow. Complètement fou comme expérience. Complètement fou comme expérience. Ça rock un peu ce film-là, hein? Parle-moi-en. Je me suis mis une note, il est marqué 1000. Complètement fou comme expérience. Complètement fou comme expérience. Ça rock un peu ce film-là. Parle-moi-en. Je me suis mis une note, il est marqué 1000. Excusez-moi, on va aller fermer ça. C'est bon, ça ressonne en double sur l'autre vidéo. On avait du playback. Je me suis mis une note, là. 1000. On parlait d'expérience de la vidéo. Suite après, tu voulais parler d'Émile. Ben, grosso modo, hein, je vais le féliciter là, pour la qualité de ce film-là. Moi, je trouve que c'est grandiose. Puis ça met cette chasse-là en valeur beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui est ambivalent, vas-tu y aller cette année? Il a vu des dindons jumelles dans le champ de son beau-frère. D'après moi, il regarde ça, puis il a comme vraiment envie de se lever de bonheur, puis essayer ça. Peut-être qu'en passant, tantôt, même s'il y a des gens qui écoutent, là, mon chum Yannick Leroux, là, notamment, c'est un gars qui fait des très bonnes recettes avec ça, du dindon. T'étais là, Steve, quand on a fait de la partie Chasse Québec. Il m'a dit que c'était pas un petit souper d'amateur. On avait des dégustations de toutes les viandes sauvages qui existent. Puis le dindon. Une petite dindon barbecue qu'on avait fait. Incroyable. Non, qu'est-ce que je veux compter par rapport à Émile, David? Il chassait dans le canton de l'Est. Lui, il est rentré dans le bois, il est allé s'embusquer dans le bois, puis il s'est mis à peu près égal avec un arbre tombé. Il était vraiment embusqué, puis quand il s'est mis à caler, il a attendu une petite branche craquée en arrière, une petite brindille craquée. Puis ça a pris 5 secondes après, il y a un coyote qui a sauté dessus. Le coyote, il a fait un contact physique avec Émile. Il a touché la tête. Le coyote, lui, dans le fond, il s'est embusqué. Tu vois que c'est des coyotes, c'est des méchants opportunistes, pareil. Là. Tu sais, ça ramasse des petits chevreuils, ça ramasse des œufs, ça part à courir après toutes sortes d'affaires. Tu sais, un coyote. Il y a des chats dans certains quartiers qui n'existent plus là, parce qu'il y a des coyotes qui sont passés. Là. On va se compter les vraies affaires. Là. Puis dans ce cas-là, c'est pour ça que je dis qu'il colle bien. Il colle bien, Émile. Je le savais déjà qu'il colle bien, mais tu sais, j'imagine la scène, quelqu'un qui aurait été dans un arbre, dans un Tristan, qui aurait filmé ça, là. T'en aurais eu des likes là, sur YouTube, là, une affaire de même. Mais le coyote, quand à la dernière minute, il a sauté dessus, il a passé par-dessus l'arbre tombé, puis là, il a bien vu qu'il n'y avait pas de plume après ça. T'sais. Mais là, il était déjà en mode attaque, là, en essayant de s'esquiver de ce gros Sasquatch-là qu'il y avait au sol. Ben, il y a une patte qui est tombée sur Émile, puis le coyote est parti. Là, fait que, moi, je trouve ça invraisemblable. Je veux dire, des fois, tu regardes Bip Bip avec le coyote, là, les bandes dessinées. Ben, si vous voulez triper, c'est une technique assez inusitée. Trouvez Émile David, je pense que c'est sur son Facebook ou sur son Instagram ou TikTok, je ne suis pas trop sûr. Là. Si vous voulez apprendre à coller la femelle orignale avec un bicyc à pédale, je vous répète, apprendre à coller la femelle orignale avec un bicyc à pédale. Il n'y a que Émile David au monde qui est assez bon de trouver cette technique-là. Allez-y, puis likez, partagez cette vidéo-là. Moi, j'ai écouté ça, je me tapais ses cuisses un peu. Méchant numéro quand il veut. Ça fait combien de temps qu'il est avec toi, Michel? Moi, ça fait longtemps qu'on chasse ensemble, on tourne, on se croise. Émile est avec Chasse Québec depuis un petit bout de temps quand même. Avec Émile, dans le fond, c'est un gars qui a fait ses premiers tournages en matière de pêche puis de chasse, ben surtout de pêche au début là, avec la famille de Wookie. Oui. C'est drôle parce qu'on s'était rencontrés à Sherbrooke. J'avais donné une formation orignale là-bas à Sherbrooke. Je me souviens, c'était au restaurant, le resto-bar Le Dauphin, puis il était venu me rejoindre.
Puis c'est de là qu'on avait décidé de commencer à travailler ensemble. Puis il s'est développé en partant, avant même qu'il y ait une complicité professionnelle, il s'est développé entre moi et Émile une amitié, tu sais, un respect mutuel un envers l'autre. Puis qu'est-ce que je trouve de fun? Tu vois tantôt, puis ça, moi, ça me touche beaucoup. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ce film-là, c'est que moi, le printemps dernier, toi, Martin, tu le sais, Steve aussi, tu t'en doutes, le printemps dernier, moi, c'était la première fois de ma vie que je me faisais, entre guillemets, guider, accompagné par un jeune. T'sais. J'ai passé ma vie à amener des jeunes à l'ours, au chevreuil, puis tu sais, je ne compte plus les jeunes. J'en ai eu de 12, 16, 17 ans, j'en ai vu pogner des crises de buck fever, pleurer, j'en ai vu toutes sortes de situations. Puis l'automne passé, j'étais avec Sam Lheureux, là, le fils à mon chum Yannick. Pis c'est lui qui orchestrait tout. Pis je le regardais, puis je me revoyais quand j'avais cet âge-là. Il y a beaucoup de rigueur. Pis ça y avait généré quand même une certaine... comment je pourrais dire? C'était tout un défi pour lui là, de me guider. Puis la veille, on est allé assez tard en saison en plus. Pis la veille, là, il était allé spotter des dindons, des tomes partout. Puis j'étais content de vivre cette dynamique-là. Puis au même moment, Charlot, lui, il a prélevé à Kémil. Émile, il filmait, mais Charlot, il a fait ses affaires, puis ils ont travaillé en complicité. Puis d'après moi, on a tiré nos dindons à une couple de minutes d'intervalle parce qu'on s'est texté des photos de dindons. C'était la fête au village. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis moi, honnêtement, je trouve que c'est une belle chasse pour la relève. À la limite, là, Charlot, là, il va pouvoir y aller avant d'aller à l'école. Là. Ben, ça se passe tellement de bonheur. Là. Tu sais, souvent, tu le sais, là, Steve, là, c'est les premières heures, là. Ouais. Au niveau des aurores, là, pis, c'est là que ça se passe. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis le jeune, il faut qu'il apprenne à ne pas bouger, il faut qu'il apprenne la rigueur. Puis tu sais, apprendre le langage d'un animal là, dans une société qui est rendue toute virtuelle, là, on retourne à la base. Tu as commencé des interventions, Steve, en parlant des Autochtones. Je chassais ça à l'époque. T'sais, J'ai sorti un livre ici. Tu en as parlé tantôt là, des premières années. Ce livre-là, il date de 1959. On voit des chasseurs de dindons. C'est quoi le livre? Un vieux livre qui s'intitule, parce qu'il fait, c'est un livre sur l'histoire de la chasse. Puis c'est des archives de photos. C'est The Story of American Hunting and Firearms. Puis il y a des fresques qui sont dessinées là-dedans. Puis on voit des chasseurs avec des mousquets. Ils chassent le dindon. D'après moi, je me souviens d'avoir lu dans le coin de la Virginie. Là, on parle du début du 19e siècle, tu sais. Fait qu'à cette époque-là, il était innovateur. Là. Il n'y avait pas des 12 Maxus là, qui tiraient. Tu sais, je regarde les balles qu'on tire, là. Hey, des méchants suppositoires, là. Oh oui. Les gars, à l'époque, là, il fallait qu'ils innovent, là. Puis ça, c'est le fun d'avoir que nos jeunes, on les amène dans des approches comme ça, que là, ils font corps avec la forêt. Et un des aspects que j'adore de la chasse aux dindons, là, quand le jour se lève, contrairement au mois de novembre, au chevreuil, là, il y a de la vie au Québec, là, au printemps, là. Il y a des parulines, il y a des merles, il y a des pics. Il y a des cités de la poitrine rousse, il y a des perdrix qui tambourinent. Écoute, ça bouge de partout. Oui, ça, c'est oui. Excitant pour les jeunes, tu sais. Juste de voir relever le jour, là. C'est pas peut-être les jeunes qui ont le temps de voir ça. Là. Ah non. Et tu sais, tu parles de chasse de relève. Ce qui est trippant, puis Michel, tu l'as abordé tantôt parce que tu disais, moi, c'est le genre de chasse que je ferais avec un ado qui est hyper actif. C'est dans chasse au dindon, comparé à certaines chasses où est-ce que tu as un petit peu moins de choix de technique, mais tu peux carrément, si tu décides d'amener un jeune, adapter la chasse que tu vas faire avec l'attitude du jeune. Tu sais, que tu fasses du walk and stalk, que tu fasses de la chasse au bouclier comme Charlot va faire cette année, ou que tu fasses de la chasse embusquée dans une tente en arrière d'une racine. Tu peux être hyper créatif. Tu sais, moi, j'ai entendu des scénarios, les gars, on a des tentes sur le tour d'un bois, ça nous permet de se déplacer par l'intérieur du bois, d'aller les intercepter l'autre bord ou de sortir au champ. Tu as du choix de technique au dindon. Il y a du choix de technique, puis il ne faut pas oublier que le dindon utilisent entre eux 58 vocalises différentes. Et nous, on va en utiliser environ 7 à 8 pour en situation de chasse. Mais il y a possibilité d'en utiliser d'autres. Il va y avoir des whines, des cackles, il va y avoir des whistles, il va y avoir des calls qu'on utilise rarement, mais qui sont utilisables et qui vont nous permettre de récolter nos dindons. Puis au-delà de ça, c'est la maîtrise des différents appôts. Et la maîtrise des différentes techniques qui fait que c'est un univers qui est quasiment infini. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont tout vu, ils ont tout connu, puis ils savent tout au niveau du dindon. Bien, méfiez-vous de ces gens-là. C'est un constant apprentissage. Moi, j'apprends.
J'étais un rat de bibliothèque cette année, là, j'ai encore acheté un paquet de livres, puis je lis continuellement là-dedans. Quand que je veux chasser avec des gens qui fait longtemps qu'ils chassent le dindon, ben je pose des questions, je regarde comment chasser. V'là 3 ans, petite anecdote, je sors du bois, je suis dans le Maine, je sors du bois avec un tome sur l'épaule, je viens de réaliser une de mes plus belles chasses à vie. Ce tome-là a été excessivement difficile à convaincre, j'avais réussi. Il y a un pick-up de stationné, le gars, il a une plaque de l'Illinois, il sort de son camion, il dit « Hey, félicitations, il dit, moi, je me promène, puis je chasse, puis on m'a dit « Je peux venir chasser ici, le propriétaire, ben oui. » J'ai dit « Garde, c'est une confrérie, là. » J'ai dit « Écoute, je gâche un matin, j'en ai roosté 3, j'en ai 2 qui sont sur ce bord-là, il y a lui que j'ai tué, tout le kit. » Finalement, je suis devenu super bon ami avec ce gars, ce monsieur-là, il s'appelle John Brown. Lui, il était parti de chez eux en Illinois le 7 mars, puis il a fait tous les États du Sud. On était rendu le 22 mai. Il n'avait pas mis les pieds chez eux. C'est bien, ouais. Il était rendu, il a tué ses 2 tomes dans le Maine. J'ai été chassé avec lui, je connaissais des places dans le New Hampshire, on a été chassé ensemble. Il a tué son 27e tome de la saison avec moi. Incroyable. Une machine de chasse, ne vivait que pour ça. Vivait dans son camion, essayait de... Puis on, t'sais, c'est pas quelqu'un de riche, là. On parle de quelqu'un qui travaillait à l'usine de John Deere, faisait des tracteurs, c'est un journalier d'une usine. Il a tout mis ses ressources de temps, de vacances financières pour se dédier à sa passion. Mais c'est ça le dindon. Puis des gens comme ça, j'en croise année après année. J'en suis un, comme je dis, je suis un nomade de la chasse au dindon parce que moi aussi, je fais ça. Puis j'ai dormi dans mon véhicule, tout. Puis c'est ça qui est cool, c'est ça qui fait que cette chasse-là est différente. Puis je vais juste faire un petit apport. Ça, c'est un livre qui ça s'appelle « The Tenth Legion ». C'est du colonel Tom Kelly. C'est sans doute l'ouvrage le plus marquant sur la chasse au dindon qui a jamais été écrit. Puis il y a une citation qui a dit, puis que j'avais dit à Michel, le colonel avait dit, on chasse pas le dindon parce qu'on aime ça, on chasse le dindon parce qu'on doit le chasser, parce que c'est en nous, ça vient de nous, ça vient nous chercher d'un trip, c'est une partie de nous. C'est ça, c'est... Tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais voyons donc, c'est un oiseau, tout. C'est correct. Si pour vous, c'est ça, c'est correct. Je n'ai pas de problème. Mais pour moi, c'est un univers. Pour moi, c'est tout. Pour moi, mon cerveau, puis comme on dit, tu sais, des fois, je vais être d'un party, d'un souper, là, puis là, bon, là, ça jase, puis là, avec COVID. Avez-vous vu des dindons, vous autres, pas loin de chez vous? Ah, voilà, puis là, ça part. Puis là, c'est rendu que tout le monde qui voit des dindons partout, ben, il m'envoie des photos, m'appelle, me texte, la TV m'appelle pour aller jaser de dindon. C'est ça. Puis mon surnom, c'est Capitaine Dindon. Fait que c'est ça. Mais peu importe, Steve, ce que les gens peuvent penser, là. La plus belle beauté souvent d'un être humain, peu importe son âge, peu importe son énergie, peu importe son parcours, c'est le fait qu'il est capable d'entretenir un esprit d'émerveillement. Puis ton esprit d'émerveillement, là, ce soir, on n'est pas devant toi, là, mais on la sent et on la ressent. Définitivement. Excuse-moi, je regarde les réponses en même temps, mais ça me fait sourire parce que des fois, je me demande s'ils répondent sur qu'est-ce qu'il boit ou le nom du chien. ça sort de partout. Tu parles de vocalise. Hey, là, il y en a bien un qui va demander si tu verrais que le dindon fait le call du hibou. On l'a trouvé fois quand Michel est là. tu parles de vocalise, ça me ramène à la question qu'on posait tantôt. Depuis peu de temps, les Québécois peuvent chasser à l'automne, qui n'est pas la même chasse que le printemps du tout. Le printemps, on prétend chasser sur la période de reproduction, puis souvent les couvées sont terminées dans la saison où est-ce qu'on est ici, dépendamment où est-ce que vous êtes sur le territoire, mais il reste quand même de l'affrontement qui est possible. À l'automne, tu fais quoi? À l'automne, on va utiliser 3 calls en priorité. On va avoir le Lost Yelp, c'est-à-dire le yelp, le glapissement de la dinde qui est perdue. Ça va être un yelp qui va être sensiblement le même qu'on va utiliser au printemps, sauf qu'au lieu qu'on va avoir des courtes séquences, des séquences de 3, 4 ou 6, 7 maximum, on va avoir des séquences qui vont être de 12, 14, 15 yelp consécutifs. OK. On a aussi le yelp du gobbler qui va être le même genre de yelp,
qu'une femelle, sauf qu'il va être un yelp qui va être beaucoup plus rauque, qui va être plus court et plus sourd. On va l'exécuter avec une boîte, un peu comme le principe que je disais tantôt. On serre d'un huitième de tour sa vis au niveau du pivot et on vient rajouter un peu de friction. Au niveau du diaphragme, on va le faire, on va étirer la mâchoire pour allonger la note grave et raccourcir la note courte pour nous donner cette yelp-là. Et le troisième call, c'est le kiki qui émite un petit qui est perdu, qui recherche le troupeau. Parce que l'automne, on a un rassemblement, on a un regroupement des dindons qui se prépare à affronter l'hiver, qui commence à se séparer, se regroupe pour se reséparer en sexe, en groupe de sexe représentatif. Comment je pourrais dire ça? Les femelles vont se séparer ensemble, les juvéniles vont se mettre ensemble et les mâles adultes vont se mettre ensemble. Ah, c'est un peu ça qui se passe. Et là, quand un petit se perd ou est perdu par le troupeau, le kiki, qui va être kiki, qui est un petit cri qui est quand même assez aigu, qu'on peut exécuter soit avec un diaphragme ou avec une ardoise, un appui à friction, puis on va venir faire des ellipses dans le haut de la surface de l'appui à friction. Fait que c'est ces trois corps-là qu'on privilégie. Un peu, Michel, comme tu vas faire le ouin, par exemple, tu vas faire le veau orignal qui vont intéresser les individus à venir voir qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est, on a un peu le même phénomène, littéralement. Oui, j'ai pensé à la même affaire au moment où Steve a amené ces affaires-là. Steve, grosso modo, moi, j'ai la chasse aux dindons s'en vient. La seule gaffe que j'ai faite, mais c'est pas une gaffe. J'ai mis un cours de chasse, fille des bois, la fin de semaine. Hey, dis pas gaffe, puis fille des bois, ici. Hey, non, tu vois bien, je l'ai dit. Ça va prendre un autre clé USB si tu continues. Ça, on ne peut même pas faire du mot. Non, effectivement, c'est la plus belle initiative, puis on va avoir du plaisir cette journée-là. Mais la notion, ce n'était pas en lien avec l'auditoire qu'il va avoir au niveau de cette journée-là. J'en ai un autre, finalement, c'est ton âme, de toute façon. Mais c'est le timing, tu sais. Ouais. Le timing, je ne savais pas que c'était pendant la chasse au dindon. Mais Steve, peut-être tu me corrigeras. Juste parler un petit peu d'équipement. Oui, tu voulais parler des essentiels. Oui, moi, tu sais, grosso modo, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'aime? J'utilise un TD-Mite, un wrench finder, parce que souvent, quand je vais aller déposer mes appelants, Jake, ou je mets des femelles, ou peu importe, je vais m'assurer d'être le plus représentatif possible de la distance que j'ai travaillé mon patronage avec mon Maxus. J'y connais mes performances, je connais mon grouping, puis à un moment donné, je connais mon éparpillement. Fait que, tu sais, quand je m'installe, puis souvent, l'année passée, on n'avait pas de tente, des années antérieures non plus, on y va vraiment d'une façon improvisée, le fun. Mais parce que je n'ai pas de tente, évidemment, moi, toujours une cagoule, puis une casquette. Parce que la casquette, en plus, elle t'amène de l'ombre, puis la cagoule, elle vient juste faire en sorte que tu aies tes yeux qui percent. Je porte des gants, parce que tes mains, c'est des contrastes aussi. Puis tu vois, je me suis tellement fait dire que leur acuité visuelle était vive, puis qu'il était en hypervigilance. Que moi, ce que je me méfie, c'est un peu comme les cervidés. T'sais, un chevreuil, quand il regarde dans une cache, c'est ta face qu'il voit. Là. Quand il souffle, il fait... C'est ton visage. Fait que le dindon, là, les contrastes, il les voit très bien. Fait que je mets des gants. Puis la plupart du temps, j'aime ça tout de suite avoir mon dos sur un bâton de tir. T'sais, au lieu d'avoir à lever puis bouger, il est sur un bâton de tir. Et des fois, je fais juste venir consolider mon tir. Les autres éléments que j'ai amenés l'année passée... Il y a des petites chaises basses, je trouve ça confortable. Oui. Plus confortable, moins tu bouges. Mais l'année passée, dans mon sac à dos, moi, j'avais juste une petite surface matelassée comme ça, qui se défait, qui rentre dans le sac, je mets ça au sol. Bingo. Tu sais, quand on a fait nos offensives, quand on attendait l'arrivée du Tom, j'essayais de me mettre à l'aise rapidement, un peu comme dans le temps, j'étais petit cul, qu'on faisait le chevreuil. On se faisait une cache à l'improviste. Mettait de la jute en avant de moi, une coupe de branches, bâton de tir, ninja, la casquette. Le masque, puis là, dans ta tête, il y a une chose que tu te répètes tout le temps, bouge pas. Puis tu sais, genre, pas un bouge pas, non, tu sais, genre, bouge pas. Quand le dindon, il est pas là, tu peux t'en permettre un peu, là, mais quand il cale, puis il approche, là, tu le vois, là, qu'il cherche, il est en mode analytique,
Puis là, si tu es déjà au sol, tu es confortable, tu as une cagoule, tu as une casquette qui fait de l'ombre dans ton visage, tu as marié un peu ta silhouette avec des branches, avec ce qu'il y avait au sol, ton fusil est déjà en position. Tu sais, à un moment donné, dans ma tête, pauvre dindon, là, tu t'es préparé avant. Puis moi, j'ai l'impression, ceux qui ont loupé, c'est ceux qui n'étaient pas tout à fait préparés avant. Puis il y a eu un petit peu d'improvisation dans les dernières secondes. Puis là, bye-bye. Bien, quand on va faire, tu sais, quand on fait notre approche finale, là, quand on sait que le dindon rentre tranquillement dans la zone meurtrière, moi, je vais vous donner un truc aux chasseurs qui nous écoutent, là. Faites-vous un scénario, voyez la scène arriver avant qu'elle arrive. Le dindon arrive de votre droite. Une répétition mentale, quoi. On se prépare mentalement. On se prépare, on dit « OK, le dindon va arriver, vos appelants sont là. » Généralement, le tome va arriver à l'appelant mort. Si vous utilisez un Jake ou un tome comme appelant, le tome va se diriger vers lui en premier. Donc, prenez ça pour acquis. Positionnez-vous, comme Michel dit. N'ayez pas là, le fusil déposé sur ses genoux. Là. Il se vend des petits coussins, tout. Moi, je fais coude sur ma veste de dindon. Je fais coude une ganse. Donc, je dépose la crosse de mon fusil dans la ganse. Mon fusil, il est toujours à côté là. J'ai toujours, pratiquement toujours prêt. Donc, on voit la situation mentale arriver. Et prenez-vous des repères visuels. Prenez-vous... Regardez, si vous chassez en bord de champ, il y a un petit mouton de gazon, il y a un chicot, un restant d'épi de blé d'Inde qui est là. Prenez-vous des repères visuels en dedans de tout ça. Préparez-vous à faire feu. Parce que ce qui est important aussi, oui, c'est le fun de regarder des dindons se mettre à se battre, tout OK, tu nous donnes un show, on veut filmer ou on veut, peu importe. Mais moi, je vais vous donner un conseil, là, parce qu'il se manque beaucoup de dindons aussi en attendant trop. Ça m'est déjà arrivé, une petite anecdote, vite. J'ai un dindon, il y en a deux qui sont arrivés. Il y en a un des deux qui a sauté sur un de mes appelants, a fait décrocher l'appelant de son piquet. L'appelant rebondit au sol sur le dos du deuxième dindon. Les deux dindons sont partis. Ça s'est terminé là. Je n'ai jamais eu d'opportunité de tir. Quand vous avez votre opportunité de tir, boom, prenez-la. Faites la job, prenez-la. Faites votre visualisation, ça va vous éviter de pogner le turkey fever. Assurez-vous d'être préparé. Puis, à partir du moment que vous allez épauler, là, précipitez pas votre tir. D'expérience, on a 2 secondes. Vous épaulez, débarrez, 1, 2, on laisse partir boom la grenaille. Vous avez 2 secondes. Comme ça, vous allez être correct. Mais pour l'équipement, une veste, pour ceux qui n'en ont pas, je vous suggérerais une veste et je vais rajouter parce que ce que Michel il disait, l'important aussi, c'est de ne pas bouger, mais notre silhouette, essayez de briser votre silhouette, soit en ayant en décor en arrière de nous, un gros arbre qui va casser notre silhouette. Si c'est plus difficile, il y a des leafy-soutes qui se vendent. C'est des soutes qui, des ensembles qui ont comme des feuilles en 3 dimensions dessus. Moi, j'utilise ça depuis des années et je n'irai pas m'asseoir en plein milieu d'un champ. Sauf que des fois, le décor me permet moins d'être camouflé au niveau d'avoir des gros arbres qui vont briser ma silhouette. Ça va m'aider. Ça va m'aider beaucoup à me camoufler. Et souvent, le dindon va regarder. Il faut oublier que le dindon, de sa vision, a un grossissement 3X. Et ayant, comme tous les oiseaux, des yeux chaque bord de la tête, donc voit en 2 dimensions. Sauf que le dindon est capable de voir 310 degrés sur 360 et peut bouger sa tête assez vite qu'il peut avoir pratiquement un effet de perception de 3e dimension. Ce qui est assez particulier chez un oiseau, c'est probablement un des rares oiseaux qui peut faire ça. Et malgré le fait que ce n'est pas encore déterminé à 100%, selon les différentes études et recherches qui ont été effectuées, le spectre de couleurs que l'œil du dindon peut voir ressemble de plus en plus à celui de l'être humain. Incroyable. C'est assez incroyable, comme Michel dit. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment spectaculaire. Puis c'est ça qui est le fun avec toi. Puis c'est ça qui est le fun avec des facilitateurs et des experts, tu sais, qui, comme tu dis, des rats de bibliothèque, des gens qui veulent aller au-delà des connaissances sommaires et qui veulent vraiment approfondir. C'est que ça nous amène en relation étroite, symbiotique avec l'oiseau qu'on chasse.
Puis ça amène une toute autre dimension à la chasse. T'sais, quand tu commences à comprendre que c'était fait correct, que c'était fait pas correct, là, c'est un continuum tout le temps d'amélioration, la chasse. Puis, il y a beaucoup de chasseurs, j'ai trouvé ça bien quand tu expliquais tantôt d'anticiper qu'est-ce qui risque d'arriver. Parce que quand on guide, vous le savez, on fait face à ça, des comportements humains de dernière seconde où il peut y avoir des réactions un peu invraisemblables. Puis le buck fever ou les mauvaises réactions ou des tirs précipités ou des tirs trop tardifs, ça vient, tu sais, on a mis le mot tardif deux fois en soi, ça vient quand mentalement le chasseur n'est pas prêt. Tu sais. Puis je me souviens à un moment donné, j'avais assisté à un meeting de guides cowboy. Moi, je guidais un groupe anticosti, cowboy guidait un autre groupe. Puis je me souviens, il s'adressait à des anglophones, des gars de l'Alabama au chevreuil, puis il expliquait une passe où il était pour les placer. Puis cowboy, il avait dit en anglais, il vient un moment donné où tu n'as plus le droit d'être contemplatif parce qu'il postait des gars sur le bord de la mer. Les gars regardaient la mer, regardaient les phoques, puis ils regardaient le bord de la mer à un moment donné. C'est pas éthique, là, tu sais. Puis là, cowboy, il dit ça, c'est un piège. Il dit, quand les chevreuils rentrent, là, t'as ça, t'as 3-4 secondes pour les faire arrêter. Puis il avait expliqué, faut que tu deviennes between angry and hungry. Ça avait tout le temps resté ça. Tu sais, puis je trouvais que la métaphore était belle parce que quand, justement, le coyote, il a sauté sur Emile, il était between angry and hungry, là, tu sais. Fait que, moi, je vois ça souvent, les chasseurs, ceux qui ont d'expérience à un moment donné, ils ne regardent plus le 8 pointes, le 10 pointes, ils ne regardent plus les détails de la parade du dindon. Ils regardent juste où faire la mise à feu. Ils veulent faire un tir éthique, un tir bien placé. Ils sont dans un univers, un peu comme un athlète qui part en échappée, un peu comme un joueur de tennis qui veut faire un as ou un golfeur. Et ça, ce moment-là de la chasse, moi, je le trouve beau parce que tu vois que là, le savoir, il apporte tes fruits. Le savoir-faire, il a porté fruit. Puis là, on rentre dans le savoir-être. T'sais. C'est une couple de secondes. Puis ça, il y en a qui prennent plus de temps à le développer. Bien, c'est ces mêmes athlètes-là qui répètent leur plongeon. Tu parlais de répétition mentale tout à l'heure, qui répètent leur plongeon des fois des centaines de fois la veille avant de faire le plongeon qui peut faire la différence à la médaille. C'est un beau parallèle entre les deux. Michel, dans tes. On va arriver. On est rendu déjà à 1h34 de live. C'est quand même pas mal de stock. Puis on va continuer, inquiétez-vous pas, là, parce que là, si je dis qu'on arrête là, ils vont me trucider. Mais il y a des questions beaucoup qui sont rentrées par rapport à ce que tu parlais tantôt, Michel. Entre autres, tu parlais du télémètre. Le télémètre, c'est un atout majeur. Puis, souvenez-vous de ce que je disais tantôt. Moi, ça, c'est un truc que je donne souvent aux gens. On parlait d'impression mentale. Prenez-vous des distances quand j'ai de la misère à gager distance. Gagez deux poteaux de téléphone qui sont proches de chez vous quand vous partez au travail, que ça c'est 250 pieds ou ça c'est 30 pieds. Donnez-vous des repères que vous voyez régulièrement en faisant la vaisselle ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas chanceux qu'il y ait la tâche de vaisselle. Fait que quand vous regardez par le châssis, OK, ça ressemble à ça 400 mètres. OK, ça ressemble à ça. Et à partir de là, vous allez vous améliorer. Mais c'est beau de connaître les distances. Ce qui est important, c'est de connaître les distances qui sont importantes. Puis la question qui était posée tout à l'heure, Michel, tu me parlais justement d'aller installer les appelants. Donc, on va appeler les decoys, on va les installer, puis on cible là où est-ce qu'on va s'installer pour voir la distance. Mais c'est quoi la bonne distance pour toi? La bonne distance, premièrement, il faut connaître la portée de son arbre. Moi, la bonne distance, le conseil numéro un que je donne versus les appelants, c'est de mettre les appelants à la moitié de la distance à laquelle on est en mesure de tirer. Exemple, on a un 12, on a patronné, on est confortable jusqu'à 50 verges. On met ses appelants pas plus loin que 25 verges. On les met pas trop proche de soi. On les met à 25, 20, 25 verges. Pourquoi? Souvent, les dindons vont rester en périphérie de notre présentation. Et là, on a un tome qui est en périphérie. Exemple, on met nos appelants à 40 verges, 45 verges. Le tome reste en périphérie à 60, 70 verges, parce qu'il n'est pas confortable, il y a quelque chose, ça semble suspect et ça arrive plus souvent qu'on pense. Donc, cet automne-là est hors portée, à moins d'être, pour 60 verges, d'être équipé avec un fusil qui peut aller chercher cette distance-là avec du TSS, exemple, ou certaines long beard vont le faire, mais il faut avoir l'œil aussi pour le faire. T'sais. Mais il faut toujours prendre ça en considération. Quand j'étais en Floride, je chassais au 410. Fait 410, c'est si j'étais avec du TSS, du plomb numéro 9, ma portée effective était de 40 verges. Mais
le couvert que j'avais me donnait une opportunité de tir. 25-30 verges, j'étais satisfait. Donc, j'ai mis les appelants un petit peu plus proches de moi, autour de 20 verges. Mais quand on a à mettre des appelants plus proches, ou même quand on les met à une distance de 25 verges, exemple, ne mettez pas les appelants en ligne entre vous et les dindons. Donc, quand le dindon, je vais expliquer ça comme ça, quand le dindon se déplace, se dirige vers vous, assurez-vous que les appelants ne soient pas en ligne avec vous et le champ de vision du dindon. C'est-à-dire que le dindon va regarder les appelants et va vous voir en arrière en train de vous préparer, de gigoter un peu. Essayez d'émettre, décaler de vous, de billets. Si le dindon arrive de votre droite, tassez les appelants un petit peu à gauche, de manière à ce que le dindon va se diriger, va passer devant vous pour se diriger vers les appelants et faites un petit pas d'alarme, le faire stopper, on y fait tirer le coup et on effectue son tir. Même chose si le dindon arrive de notre gauche, on le fait passer devant nous. On s'assure que le dindon puis que nos appelants ne nous regardent pas quand on les positionne. Ça peut sembler anodin. Mais avoir deux appelants qui observent les deux se trouvent être tournés puis observent directement où on est assis, souvent les dindons ne s'en formaliseront pas. Mais on tente d'éviter le moins de soupçons possible. Et si vous avez deux appelants, un qui observe, un qui mange, on met celui qui mange en avant. Généralement, la femelle dominante... Tu parles en avant, c'est plus éloigné de nous autres? Plus éloigné, parce que la femelle qui va leader le groupe, la femelle qui va mener le groupe, et la femelle dominante, généralement, et si elle s'alimente, elle ne perçoit pas d'alarme, aura tout fait de calmer le groupe et les autres dindons qui vont s'approcher de vous. OK, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses dans les dernières années au Québec avec... on a aussi un petit peu d'éducation qui commence à se faire, évidemment. On commence à avoir beaucoup de chasseurs qui disent « Les decoys de mâles trop agressifs, full strut, on va se le dire, là, grande queue ouverte, le caron queue de bain en vue, du bleu, bleu, bleu. » Ça peut même à la limite empêcher, ça pourrait même à la limite empêcher des mâles d'approcher. T'en penses quoi? Tout à fait, puis ils ont 100% raison. Tu sais, il y a souvent des techniques qu'on va utiliser, il y a des appels qu'on va utiliser, il y a des appels qu'on va utiliser qui vont malheureusement nous priver d'un groupe de dindons, qui vont nous priver d'un pourcentage de dindons qu'on voudrait récolter. Ce qu'on veut en situation de chasse, là, c'est que nos techniques favorisent la récolte du plus haut pourcentage du gibier qu'on veut récolter. Tu sais, exemple, souvent, on me disait, je vais juste faire un petit aparté. Des fois, tu sais, j'entends des chasseurs qui me disent, ah, ben moi, je cale fort, puis longtemps, puis souvent, puis je finis par tuer. Oui, il y a des tomes qui vont être séduits par ça. Sauf que le pourcentage de tomes qui vont être séduits par ça versus le pourcentage de tomes qui vont être séduits par une présentation plus sobre, est beaucoup plus petit. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez séduire un plus haut pourcentage de dindons qui vont venir dans vos setups. C'est le même principe qui va s'appliquer à l'appelant. Il y a beaucoup de tomes qui vont avoir des tomes qu'on appelle de 2 ans, qui étaient des Jake de l'année passée, qui sont des tomes qui sont un petit peu bagarreurs, mais qui n'oseront pas se confronter à un tome qui va donner une apparence qui est d'un peu trop gros puis un peu trop dominant. Donc, ces tomes-là ne rentreront pas dans vos appels. Ils vont rester loin, ils vont rester en périphérie. Mais c'est des tomes qui vont avoir des barbes de 9-10 pouces, des ergots de 1,5 à 3 quarts de pouce. Et c'est, tu sais, on s'entend, un orignal, là, un chevreuil, là, tu le vois le panache, là, tu as le choix de tirer ou pas. Un dindon, c'est une surprise. À moins de le voir de vraiment très proche, la densité, le nombre et la longueur de la barbe, c'est une surprise. C'est la même chose pour les ergots. On voit que c'est un tome, si c'est ça qu'on veut récolter, bien, on y va. Donc, d'avoir un tome qui est trop dominant, trop imposant, ça peut nous priver d'un certain pourcentage. Moi, personnellement, j'en utilise pas de ce genre d'appelant-là. Et les appelants, pas en tout, jamais, jamais. Et l'appelant que j'utilise le plus souvent, c'est le Jake seul. Et puis, je te dirais que 70 à 75% de mes récoltes annuellement, je l'ai fait sans appelant. L'appelant, on va s'en servir en milieu ouvert pour donner une deuxième confirmation à notre gibier. On a une première confirmation qui est auditive avec nos appels qu'on émet.
Et des fois, le gibier, comme la majorité des gibiers, va avoir besoin d'une deuxième confirmation pour se rassurer, pour avoir la chance de dire, bon, OK, je me lance et j'y vais. Donc, la confirmation visuelle que notre appelant va donner réussit à le convaincre. Si vous chassez en milieu forestier, personnellement, je vous conseille de chasser sans appelant. La raison est simple, parce qu'en milieu forestier, si vous regardez la tête et l'œil d'un dindon, là, c'est pas gros. Il peut se déplacer là, assez silencieusement et peut vous voir de n'importe quelle façon. Quand on se met à appeler, on imite notre femelle, ainsi de suite, on fait notre présentation, le dindon va se déplacer et lui nous cherche. S'il voit la femelle, on revient à ce que j'ai dit précédemment au niveau du cycle biologique, va tenter de l'attirer vers lui et va regarder autour pour, là, il va se demander pourquoi qu'elle vient pas, puis il y a des bonnes chances que notre dindon flaire l'arnaque et s'en aille, puis souvent, ça arrive sans même que vous en rendiez compte. Si vous n'utilisez pas d'appelant, ce qui va arriver, c'est que le dindon va avoir tendance à se déplacer beaucoup plus, donc à faire des pas d'un feuille morte, donc à trahir sa présence, soit qu'on l'entend ou soit qu'on va le voir. Fait que c'est une des raisons pourquoi je n'utilise pas d'appelant en milieu forestier. C'est bon parce que tu viens de répondre à des questions justement qui avaient rapport avec ça. Là. Il y a des gens qui soumettaient l'hypothèse qu'il y avait plus de succès sans appelant. Et puis, ta réponse est éloquente. Là. Elle explique. C'est d'une logique inéluctable. Le nombre d'appelants dans un champ, le nombre d'appelants que tu vas disposer, parce qu'il y a des gens qui en mettent, c'est variable. Là. As-tu quelque chose, toi, que tu préfères? J'ai vu des élevages d'un long dans un champ. Oui, oui. Tu mais vois vraiment d'instinct. Les chasseurs d'oiseaux migrateurs ont tendance à en mettre plusieurs. C'est une déformation professionnelle. T'sais. Moi, je vous dirais, là, le plus sobre et le plus simple possible. Un à deux. Allez pas au-delà de ça. Sûr, c'est deux. Sûr. Un à deux. On peut mettre. Moi, là, souvent, je vais mettre. J'ai un Jake seul, un mâle juvénile que je mets seul. Après ça, j'ai un mâle juvénile, je peux mettre une femelle qui va être en position d'accouplement. Si vous n'avez pas la femelle qui est en position d'accouplement, c'est-à-dire une lay-down hand, qui est une femelle qui va être directement au sol, enlevez le piquet, mettez votre femelle directement au sol. C'est le même principe, là. Et ou je vais utiliser soit des fois une femelle seule ou deux femelles. Quand j'utilise un setup à deux femelles, j'en ai une qui observe et une qui mange, tout simplement. Allez-y sobrement, simplement. Comme diraient les Américains, less is more. Moins, c'est plus. Parce que plus que vous en mettez, plus que vous en trimballez, puis plus que là, vous vous promenez dans votre champ, puis là, vous allez mettre un piquet de site, vous en mettez un là, vous en mettez un là, vous en mettez un là, vous revenez. Là, ça n'a pas marché, vous changez de spot. Là, vous reprenez toute votre attirail, moins qu'on fait de mouvement. Puis ça aussi, là, souvent, les gens ne réalisent pas à quel point nos dindons peuvent être sensibles à une pression de chasse, peuvent être sensibles à notre présence, surtout quand notre présence devient nuisible. Puis quand je dis nuisible, c'est tous ces petits comportements superflus, ces petits mouvements qu'on va faire. Oui, c'est vrai qu'au Québec, on a encore la chance de chasser un dindon qui n'est pas excessivement farouche. Mais plus vite vous apprenez à chasser comme il faut, plus vite vous allez être en mesure de vous débrouiller dans quelques années quand la game va monter d'un cran. Fait que vous allez déjà au-devant de vos dindons. Parce qu'aller jaser avec les gars qui chassent le dindon, là, le long de la frontière américaine, là, puis dans le coin d'Huntington, Lacolle, Hemingford, Sutton, Mansonville, tout le long de la frontière, allez le jaser, voir à quel point que depuis 2006, là, ça allait évoluer et pas à peu près. Oui, il y a des régionalistes dans les instincts des dindons québécois qui ont subi une plus grande pression de chasse versus là. Là. Écoute, comment ça en avoir dans le coin de Rimouski? Tu sais, c'est des dindons là, qui mangent des mangeoires, ils ne sont pas chassés, la chasse n'est pas ouverte. Puis là, eux autres, un être humain pour eux autres, c'est un body, là, c'est un chum. Là. Exactement. Mais, on l'a vu pas loin de parents l'année passée. Ouais, on l'a vu pas loin de parents l'année passée, réservoir ouais. Groin. Là. On montait à Pauvry du lac à l'ours blanc, là, puis il y avait une dinde sur le bord du chemin, je lui dis, elle est perdue en tabarslac. Hey, il y avait une question qui était super intéressante. Parce qu'elle s'en allait au dormir. En même temps, Martin et Steve,
Qu'est-ce qui est intéressant de tout ça, là? Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis Steve, tu vas être un bon porte-parole nord-américain de ça. Parce que toi, quand tu parles avec des gars de la Floride, du Tennessee, puis de la Caroline, là, quand tu leur dis qu'il y a des dindons dans l'air de répartition nordique, là, regarde là aujourd'hui, regarde la neige qu'il y a, là. Hey, la période de pondaison, le type de bouffe, là, pour un dindon, là, tu compares ici, là, où tu étais là en Floride, où les grands champs là, de Maryland, puis ces places-là, là, pas pour rien qu'il y a plein de chevreuils qui pullulent dans ces coins-là. Le dindon, il est mort de rire. Mais de les voir se répartir à Latuc, à Parent, à Mont-Laurier, dans le sud du parc de la Vérendrye, moi, ça m'étonne. C'est un gibier qui est excessivement tenace et coriace. Je veux dire... C'est toujours bien qu'il mange pareil, tu sais. Qu'il mange pareil. C'est une machine de guerre, sincèrement. Le dindon, moi, ça m'impressionne, là. Écoute, je l'ai chassé dans les Rocheuses. Je l'ai chassé dans le désert. J'étais à la frontière du Texas et du Mexique où ce que les dindons, pour se percher, allaient se percher sur les lignes d'hydro d'un poteau parce qu'il y a juste des cactus. Il n'y a rien. Mais réussit à vivre là et à continuer à se reproduire et à évoluer. Puis c'est ça qui est complètement capoté avec ce gibier-là. On a des dindons là, qui on connaît, pour ceux qui ont chassé le chevreuil en Saskatchewan, on sait comment il fait frette là-bas, là, puis qu'il y a de la neige. Mais on a des dindons... Qui... L'appel de la nature sera pas long. On a des dindons qui évoluent là, puis qui continuent, puis qui se reproduisent, puis que l'aire de répartition continue à augmenter de plus en plus vers le nord. Et souvent, on associait cette aire de répartition-là à nos cultures, et souvent nos monocultures, c'est-à-dire surtout des cultures de soya, des cultures de maïs qui aident notamment les oies, les outardes, et pas juste les oiseaux migrateurs, mais nos dindons aussi. Mais là, on se rend compte que même au niveau du bouclier canadien, là, quand on appelle le grand bois, là, là, quand ça commence, ben, c'est plein de dindons là aussi. Là. J'ai des témoignages de gens qui en voient un peu partout en Abitibi, au lac Saint-Jean. C'est quand même impressionnant. Et c'est pas juste anecdotique, c'est année après année, ils sont là encore et encore. Ah oui, mais vraiment, c'est le fun de voir l'adaptation de ce gibier-là, comment qu'elle s'est bien faite, contrairement à ce qu'on pensait, là, parce qu'on avait beaucoup de doutes au départ. Là. Et mon Dieu, c'est merveilleux, il y en a vraiment partout, puis ils sont rendus dans une population terrible. On en entend parler partout dans les médias présentement. Là. Oui, puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait face à pas juste une augmentation de la population, mais on fait face à un étalement du dindon. Oui. Je ne veux pas le dindon, comme toutes les espèces qui sont chassées ou qui subissent une pression de la prédation, peu importe, vont avoir tendance à essayer de se déplacer vers des secteurs où ce que la prédation va être réduite. Et c'est une des raisons pourquoi qu'on voit beaucoup de dindons autour de l'île et même sur l'île de Montréal. Donc, on a une accessibilité de nourriture qui est plus facile parce que, bon, il y a des mangeoires, on a un couvert de neige qui est moins épais, on a beaucoup de parterres, de fossés, de bords de maisons qui sont dégagés, donc qui donnent une nourriture accessible à l'hiver long. C'est vrai. On en voit de plus en plus dans ces coins-là et on a pratiquement pas de prédation. Mais, par exemple, des secteurs que je parlais tantôt ou ce que je disais, que la pression de chasse a fait que les dindons sont beaucoup plus difficiles, notamment les zones qui sont limitrophes aux États américains, bien, on a beaucoup moins de dindons. Moi, je le sais, je chasse beaucoup dans un de ces secteurs-là, puis j'ai grandi là aussi, mais il y a beaucoup moins de dindons qu'il y en avait au début, mais le dindon a migré. C'est sûr qu'il y a eu une relocalisation effectuée, mais la dernière relocalisation s'est faite en 2014, donc ça fait 8 ans. Là. Oui, déjà. Là, ce qu'on voit... notamment, mettons, au niveau de la Naudière, on voit que c'est une population qui devient de plus en plus indigène au secteur et qui se multiplie, mais qui se rapproche. Donc, cette population-là connaît moins de prédation que les autres zones à côté. C'est des dindons qui ont migré, je parle pour la Naudière, notamment des Laurentides ou de l'Outaouais, où ce que là, il y avait une pression de chasse, et tranquillement, le dindon se déplace. Évidemment que j'ai tendance à penser qu'il y en a plus, mais c'est difficile d'avoir un chiffre qui est quand même exhaustif, tu sais, puis
puis assez précis, parce que c'est pratiquement impossible de faire des inventaires à rien. Fait que la manière... Le fait qu'on en voit plus dans les médias un peu, Steve, le fait qu'on entend parler beaucoup, là, dans les dernières semaines, vous avez dû le voir, vous autres aussi, là, ils en parlent beaucoup par rapport aux agriculteurs, puis tout ça, probablement. Est-ce que les gens sont plus sensibilisés, selon toi, ou c'est vraiment parce qu'on a plus de population que ce qu'on en avait? Les gens sont plus sensibilisés, mais il y avait un article, justement, dans la Presse Plus de ce week-end, et un des biologistes, Mathieu Lavoie, a rapporté des faits qui sont vérifiables et véridiques, qui ont été rapportés par plusieurs biologistes américains en ce qui a trait aux dommages causés par le dindon sur les récoltes agricoles. Il y a beaucoup de dommages qui sont attribués au dindon, mais qui ne proviennent pas du dindon. Chevreuil, raton laveur, oiseaux migrateurs, toute forme d'oiseaux qui viennent picorer d'un champ, parce que le dindon, c'est gros, c'est visible, c'est impressionnant, se déplace en gros groupe, ça marque l'imaginaire des gens. On n'est pas encore habitué. Mais moi, je vais vous dire, là, j'arrive dans le Nebraska, il y a 5 ans, à la chasse au dindon. J'étais avec deux de mes amis, puis on conduit. C'est les Grandes Plaines, c'est le territoire de l'Idance avec les loups, avec Kevin Costner. c'est complètement capoté. Il n'y a pas d'arbre. J'arrive chez un ami là-bas, chez Vince. Puis là, il dit, hey, on va faire le tour de mon ranch, je vais vous montrer où il y a des dindons. Puis là, j'ai mes deux chums qui sont en assis en arrière dans le pick-up et qui me disent, il n'y a pas de dindons, pas de dindons, pas de dindons. Fait qu'on descend. Le long de la rivière, il y a des gros arbres, des cottonwoods. C'est des gros, 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 gros arbres avec des grosses branches. On regarde, il y a un méandre dans le fond du champ, le méandre de la rivière. Et il y a 36 tomes ensemble en train de parader. Je compte juste les tomes. Ben, je compte pas les femelles. Je regarde mes deux chamans derrière. P-boys, c'est assez? Les deux parlent pas, j'ai juste deux sourires. Il y a du dindon. Puis là, il nous montre un autre secteur. Puis il y en a, il y a du dindon partout. Jamais que j'ai entendu Vince se plaindre de la présence des dindons. Ouais. Jamais. Puis j'ai été dans des secteurs au Kansas, en Oklahoma. J'ai été partout. J'ai jamais rencontré un agriculteur américain qui s'est plaint de la présence de dindons. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que moi, le gars du Canada, je viens avec mon pick-up manger dans leur restaurant, mettre du gaz dans leur station-service, acheter un T-shirt, une casquette, manger au restaurant. Je viens contribuer à leur économie parce qu'il y a un gibier qui est sur son territoire. Tu peux-tu leur dire qu'ils viennent parler aux municipalités pour les accès au lac dans ce coin-ci, s'il vous plaît? Hey! Bien, aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, je veux dire, tu as le droit, il y a même il y a plusieurs États qui le diffèrent dans ce sens-là, que si ce n'est pas marqué, mettons, posted, tu as le droit d'aller chasser où tu veux, les terres publiques, tout est accessible. L'Alabama, mon permis combiné chevreuil dindon me coûtait 31 $ et j'avais des milliers d'acres de terres publiques sur les territoires publics. Ils préparent les champs nourriciers et ça ne te coûte rien pour aller chasser. Ils ont. Il favorise ça parce que c'est un vecteur économique qui est important. Ils reconnaissent ça. Non, mais le point, il est là parce qu'ils reconnaissent ça. Exact. Regarde, cette année, c'est juste une question de reconnaître ça. Puis si tu regardes l'explosion des permis vendus cette année au Québec, là, n'importe qui veut faire l'exercice, on l'a fait dans Venture Chasse et Pêche. On l'a tout mis, le nombre de permis vendus. Je vous invite à le faire. C'est un exercice qui est pas mal plus facile que réussir un examen de secondaire 1. Multiplier le prix des permis de chasse. Là. Mettons, à l'Arignal, tu es proche de 180 000. Ouais. Puis multiplie l'argent, ticket clean qui arrive au bout de ça. Admettons qu'on réinvestit là-dedans ou admettons qu'on essaie d'avoir une approche plus concertée, plus respectueuse du payeur de taxes, puis du payeur de permis, puis de lui qui met du gaz dans son truck, qui se déplace. On en aurait un petit peu plus des initiatives auxquelles tu viens de faire référence qui existent dans plusieurs États américains. Puis moi, je me plais à croire qu'on va peut-être voir ça naître de plus en plus des initiatives de même, mais en même temps, je suis plus dans la génération pour être naïf. Là. Non, mais tu sais, peut-être que ça a une tendance à changer. Écoute, tu en fais des tournages toi aussi, Michel, de ton côté, puis
on a des demandes beaucoup plus grandes maintenant d'allier la chasse et la pêche aux attraits touristiques parce qu'ils sont conscients maintenant, du moins, je vais parler vraiment des associations touristiques, ils sont conscients du fait que la chasse et la pêche est un gros vecteur d'activité pour eux autres, beaucoup plus que pour uniquement la chasse et la pêche, mais bien pour l'ensemble de l'économie du secteur. Ça vient aider l'ensemble des associations touristiques lorsqu'un chasseur se déplace d'une région à une autre, un pêcheur fait la même chose. Il commence à avoir un mouvement de conscientisation dans ce sens-là. On le vit, nous autres, de notre côté. Les dernières demandes pour cette année et pour l'année prochaine vont toutes dans ce sens-là. Fait que je pense qu'il commence à avoir un virage. Oui, oui, oui. Ça, je le reconnais. Puis Kate, il y a quand même un bon point. Commence à me connaître un peu, tu sais. Je veux quand même donner un petit peu juste mon opinion par rapport à ça. Tu sais, tu as soulevé le ministère du tourisme. T'sais. Moi, j'ai la même relation auxquelles tu viens de faire allusion. Exactement. Les regroupements touristiques m'appellent, les regroupements touristiques cherchent des ambassadeurs chasse-pêche. C'est d'une beauté incroyable. Puis tu vois, il y a des régions qui ont des mobilisations protectionnistes, des mobilisations ouais. pour diversifier l'offre. Puis ça vient du tourisme. Fait que, on va se freiner peut-être là-dessus. C'est une réflexion, dans le fond. Parce qu'on arrive en période électorale bientôt, d'après moi, là, à la chute des feuilles, on va arriver en période électorale. Puis, ça se dit de plus en plus dans le domaine de la chasse, quand il y a des colloques, des assemblées, que justement, le touriste, là, il aura envie de ramasser ça, eux autres, la chasse. Tu sais. Mm-hmm. Il aura envie de le ramasser. Tu sais. Est-ce que la pratique d'associer la foresterie, la coupe de bois, la foresterie, avec la chasse, la pêche, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un success story quand tu écoutes des histoires comme Steve vient de dire. Là, on est peut-être dû là, pour faire une nouvelle amalgame parce que là, le statu quo, si on le continue, je ne suis pas convaincu dans 3 ans, 5 ans. Mais si on arrive peut-être avec une initiative, justement, de gens comme le touriste, des gens jeunes, dynamiques, qui reconnaissent la part des régions, les autres qui ont peut-être envie de lever la main et de dire, on va le ramasser, la chasse par la pêche, là. Puis on va le traiter avec autant de dignité que le camping, le canotage, exact. Le golf, toutes ces affaires-là. Ah, tu sais. Puis, en tout cas, je ne veux pas emporter. Non, tu as réussi à contrôler, Michel. T'as encore la bonne couleur. Moi, je gage Michel à la couleur qu'il prend. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous pensez de la synergie maintenant au niveau de la gestion de territoire qu'un chasseur ou un trappeur peut amener? Puis le chasseur de dindons sauvages est le premier à rentrer sur ces territoires-là en association avec ces agriculteurs-là desquels on parlait tout à l'heure. Moi, je pense que ça, c'est une synergie malheureusement, n'est pas encore assez exploitée. Là. C'est déjà un très bon pas dans la bonne direction. Je veux dire, ça va permettre de mettre des gens en commun. Reste à savoir qui va en bénéficier en espérant que ce ne soit pas des corporations, des compagnies ou des gens qui vont prendre toutes ces terres-là et les sous-louer après ça à des chasseurs. L'important pour que la chasse puis que ça continue d'être une activité économiquement viable et accessible, il faut que les gens puissent y aller. Tantôt, tu parlais d'accessibilité au lac. Si les gens n'ont pas de lac à aller pêcher, l'activité va mourir. Puis c'est le même principe pour la chasse. Tu sais, la chasse au petit gibier, qui était sans doute, il y a 25-30 ans, la chasse la plus populaire pratiquement au Québec. Il y a moins de gens qui pratiquent la chasse au petit gibier parce que là, ça nuit, ça dérange tout le kit. L'accessibilité devient de plus en plus difficile. Chaque année, là, je veux dire, là, j'ai des centaines de commentaires, puis de questionnements, puis de messages de gens qui n'ont plus de territoire au dindon parce qu'ils se font tasser, puis parce qu'il y a un groupe de corporations XYZ. Je ne mettrai pas personne dans le bain ce soir, mais on se comprend tout, puis on sait quel genre de gens que je veux parler, puis qu'eux autres soulient les terres. Fait que le gars, il arrive, puis pour chasser le dindon, il est le 8e chasseur, ça coûte 150$ par jour. Ouais. La qualité de chasse, c'est so-so, tout le kit. Pour chasser 2 jours, ça coûte 300$. À 1,90$ le litre, il faut qu'il fasse 2 heures de route. Ça, le gouvernement, tôt ou tard, va falloir qu'il s'attaque à ça. L'accessibilité, c'est la clé. On parlait, le dindon, là. Le dindon, on avait 30 000 individus en 1973. On est rendu environ à 6,7 millions d'individus en Amérique du Nord. C'est le plus gros succès de réintroduction
et de conservation de l'espèce jamais réalisée par l'être humain. Puis ça, voilà. C'est les chasseurs qui l'ont fait. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. C'est chasseurs, la National Water Game Federation, puis toutes les agences, celles que tu viens de nommer, toutes les agences provinciales et d'État oui. dans l'Amérique du Nord qui ont contribué. Puis c'est nous, en tant que chasseurs, c'est nos permis de chasse qui ont contribué à avoir ce succès-là. Mm. Fait que c'est... On a contribué au succès, on a permis l'établissement d'une population et le rétablissement d'une population, mais c'est tout à fait normal qu'on puisse y avoir accès puis qu'on puisse chasser. Puis je pense que le gouvernement, tôt ou tard, il faudra qu'il légifère là-dessus puis qu'il limite qui peut sous-louer et resous-louer. Tu sais, c'est un énorme point. Ce que tu amènes là, c'est un énorme point parce qu'on l'observe beaucoup. Là. Il y a énormément de territoires dans lesquels on arrive puis c'est littéralement impossible d'avoir une terre. Ils vont tous te répondre. On va voir un tel, on les loue tout à lui, puis lui, il s'en occupe comme si on a la paix. C'en est... Tu sais, parce que le cultivateur, Dans le fond, Steve, là, quand tu regardes ça, si on va trop loin là-dedans, symboliquement, ça fait bizarre à dire, pareil, parce qu'on s'est tellement battu pour démocratiser la forêt québécoise avec le fameux déclivage des clubs privés. Là. Et moi, j'ai vu travailler mon père d'arrache-pied. Là. Moi, j'ai vu mon père, j'étais petit cul, là, je le voyais dans la maison. Dans le temps avec le PQ, avec Jacques Léonard, qui était un député dans les Laurentides, dans le temps de René Lévesque, là, ça a été une révolution, ça. Redonner aux Québécois leur forêt, leur redonner leur patrimoine. T'sais. Fait que là, il y a des gens présentement qui ont des dindons dans leur maison, mais ils peuvent même pas aller chasser là parce qu'il y a un groupuscule de gens qui ont fait un peu des clubs privés, dans le fond. T'sais. C'est exactement ça. T'sais, j'ai nommé le mot, là. Mais... Ben c'est ça. Ouais, c'est... Il faut que tu contactes le président du club pour avoir un accès sur un lot de terre. Ah, c'est exactement ça. Ouais, le Québec, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas donner d'autres particularités là, au niveau des qualificatifs. Là. Je vais en rester à c'est un peu compliqué. Ben, on va dire ça de même. Puis, tu sais, moi, je reste perplexe sur des décisions ou des comportements que je vois. On va d'un fois prioriser l'accès aux plaisanciers versus l'utilisateur chasse-pêche-piégeage à un territoire comme une terre agricole. Puis dans le temps de le dire, ben, mon activité à moi qui était jugée comme étant « on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça », c'est un gars en skidou qui prend ma place à la terre du cultivateur, qui fait des trails tapés qu'il n'a pas le droit de passer, puis qui fait qu'à ce temps-ci d'année, ce n'est pas encore sec parce que ça a tapé, ça a glacé, qui scrape ses récoltes. Puis là, ce n'est plus juste moi le chasseur. Le randonneur, le promeneur de chiens, l'observateur d'oiseaux, il n'y a plus personne qui y a accès après. C'est exactement. Puis, la pandémie a accéléré un exode de citadins des villes vers la campagne, où ce que eux, c'était leur sacro-sainte propriété privée, et où ce que c'est leur petit domaine, leur royaume. Moi, j'ai grandi en bonne partie sur le bord du Memphrey Magog. Fait que j'ai vu du monde arriver, s'acheter des domaines, tout le kit, et tranquillement, pas vite, enlever le droit. Tu peux plus passer, tu peux plus chasser, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Et même si c'est pas sur son terrain, écoute, ça l'incommodait. Ces gens-là, ça les incommode. Ah ben là, il y a quelqu'un qui se promène avec une arme à feu, qui est pas loin, qui se promène avec un quatre roues, pis ci, pis ça. Malheureusement, on rentre un peu dans cette dynamique-là où ce que notre argent, et pourtant notre argent vaut autant que n'importe quel argent. Le 100$ que je mets à station-service vaut autant que le 100$ du gars qui va aller faire du ski en montagne. Et comme snobé, puis c'est ça qui est triste un peu, puis on devrait valoriser ça parce que la majorité des chasseurs que je connais, c'est les gens qui ont encore plus à cœur l'environnement, l'état de la forêt, la population, puis les santé de nos gibiers. C'est ces gens-là qui font une différence dans les décisions de nos gouvernements et non l'autre classe de gens que j'ai nommé tantôt. On a tendance à l'oublier. Sais-tu qu'est-ce qui est un peu bouleversant? Moi, j'aime ça avoir... Tu sais, je t'attendais, tu disais, tu vas à la bibliothèque. De toute façon, tu sais où je te connais. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est bouleversant? Puis à la limite, il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite dans tout ça. Les premiers à protéger, là, les plus grands protecteurs de la faune, historiquement sur le continent nord-américain, là, le premier là, prix Nobel tout, là, c'était Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est lui qui a amené les parcs nationaux
C'est le premier qui s'est inquiété. Bone and Crockett. Ouais. Ouais, c'est lui. Les parcs nationaux, c'était pas rien, là. Lui, dans le fond, il avait chassé le bison. C'est important de se le rappeler. Puis quand il y a des débats, chasse contre les gens qui chassent pas. Les... Tu sais, puis moi, je fais tout. Je suis un ornithologue, je fais du bateau, je fais de la randonnée pédestre, je fais du vélo de montagne. Fait que j'ai visité tous ces chapeaux-là. Mais de temps en temps, il y a des débats, tu sais. Il y a des débats qui naissent. Des gens que je croise dans le parc du Mont-Tremblant, puis tu sais, là, faut pas coller les loups, faut pas cueillir un bleuet, tu sais. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui souffrent d'angélistes, tu sais. Mais là, ils sont dans un parc national. Puis les parcs nationaux qui ont été exportés au Canada, c'est les idées de Roosevelt. Puis Roosevelt, il avait chassé le bison un certain nombre d'années. Puis quand il est retourné, il a vu que le bison, il était en train de partir. Puis il s'est inquiété. Surtout qu'il s'est rendu compte que c'était l'homme blanc dans ses pratiques, puis dans sa façon de coloniser avec les chemins de fer, qui tuait tous les bisons qui étaient sur leur chemin. Là, il s'est mis à paniquer. Et si tu regardes les écrits de cet homme-là, là, on parle du début du 1900, là, aujourd'hui, il y a plein de monde qui parle, là, qui sont dans le ministre de l'Environnement, puis ils ont le même discours qu'il y avait Roosevelt. Puis c'est un chasseur qui a créé ça, qui a fait des petits, puis c'est pas long dans l'histoire, là, tu sais, on parle de 100 ans, là, tu sais. Fait que aujourd'hui, les gens, ils vont dans les parcs nationaux qui ont été créés, qui ont été vus, qui ont été protégés. Puis on pourrait faire du pouce là-dessus longtemps. Le canard illimité, tous les chiens de garde, justement. Si le dindon se met à mal aller, là, les premiers qui vont lever la main, c'est qui tu penses? C'est les chasseurs. Oui, c'est clair. On dit ça avec le chevreuil présentement. Le chevreuil. En tout cas, c'était. Je t'avais dit, Martin, qu'il y avait beaucoup de compétences et de connaissances au début, Steve. Je t'avais dit. C'était tout qu'un live. Qui faisait le tour des États. On est rentré techniquement en images, on a vu des prélèvements. Oui. Tu sais, on a fait le tour, là, comment le traquer les types de câbles. Il nous a renseigné sur tous les types de vocalises. On a même parlé de la chasse d'automne. On est prêt à la chasse. Là. Moi, Steve, au nom d'Aventure Chasse et Pêche et de l'équipe Chasse Québec, je veux vraiment te remercier. Un énorme merci. Sincèrement. Pour la rigueur dont tu es capable de faire preuve. Puis, on sent. Extrêmement, on te sent vraiment en symbiose avec cet oiseau-là. Puis t'es un très bon porte-parole. Puis c'est bon qu'on ait des gars comme toi au Québec. Fait que je te félicite. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de participer au live. Puis juste un petit mot, vite, vite. Aux chasseurs québécois qui vont rentrer dans le bois la semaine prochaine, vendredi prochain, soyez fiers du gibier que vous allez récolter. Si pour vous, vous êtes fiers de tuer un Jake, soyez fiers, prenez des belles photos, vous êtes fiers de votre homme. Prenez le temps de prendre des belles photos, prenez le temps d'y redonner sa noblesse. Il vous a donné sa vie pour vous permettre de vivre la journée que vous venez de vivre. Il a sacrifié sa vie pour que vous ayez une histoire à raconter, le restant de la vôtre. En plus de le savourer sur le barbecue cet été. Fait que prenez le temps d'y rendre sa dignité, d'y rendre sa noblesse. On y replace les plumes. On ne prend pas de photos, là, sans slab de béton dans le garage avec un dindon tout mouillé. Là. Vous pouvez le sécher. Vous pouvez placer les ailes avant qu'on ait une rigueur mortiste, là, puis qu'il s'aille tout recroquevillé. Prenez le temps. Puis si pour vous, votre objectif, c'est un temps, puis vous voyez un Jake, puis n'ayez pas honte de revenir bredouille. Il n'y a pas de mal à revenir bredouille. C'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaise journée de chasse. C'est toutes des journées d'apprentissage. Appréciez le moment que vous allez, appréciez le moment que le dindon va vous donner, puis c'est de cette manière-là que vous allez grandir dans cette chasse-là. Bonne chasse, puis soyez prudents tout le monde, puis amusez-vous. Steve, t'es incroyable, un énorme merci. Quelle belle finale, oui. Quel beau mot à véhiculer à la fin. Merci Steve, merci. Je vais t'inviter à aller voir les commentaires qui ont défilé tout le long du live au sujet de tes paroles pour te rendre compte à quel point tu as un public dans ce live-là qui t'a adoré, que tu as fait grandir. La seule chose qui reste à faire, je pense, ce sera un mandat pour Michel et toi, c'est de prendre une formation là-dessus parce que c'est ce qui demande toute la gang. Oui, effectivement. On y travaille. C'est aussi simple que ça. Messieurs, je vous remercie. Je vous garde dans le salon VIP. On va se reparler dans un petit instant si ça vous va. Nous autres, on vous dit merci à toute la gang d'avoir été là. Vous êtes complètement malade. Il y a plein de monde. Là, ça prend le nom, l'espèce de dindon qu'il y a derrière toi. Ça, c'est la première des choses, Steve. C'est un dindon Marianne que j'ai récolté au Wyoming. Fait que cette journée-là, j'ai fait un doublé. Puis c'est deux dindons de classe Kenhammer. J'ai été le premier à recevoir
deux dindons de classe Kenhammer depuis la création de ça. Il n'y a pas un Américain qui avait reçu ça devant moi. Fait que c'est deux dindons qu'on appelle ça deux Outstanding World Class Gobbler de par la longueur des ergots. Fait que ça m'a donné, j'ai été chanceux. Ça m'a donné le deuxième plus long et cinquième plus long ergot jamais tué pour un dindon Merriam au Wyoming. Ça a été une chance que j'ai eue. C'est la vie. Je l'ai vu passer à plusieurs reprises cette réponse-là. Là, le premier qui va avoir répondu, on va le relever là, demain, pas évidemment. Là. On va y aller comme ça. Le chien, je n'ai pas vu passer. Peut-être qu'il a passé, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Je vais juste aller voir dans les commentaires. Ouais, mais quand les commentaires défilent, des fois. Qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a des commentaires qui sont rentrés. Non, le film il est terminé. Hein? Oui, qu'est-ce que tu bois? Je bois une excellente bière de la microbrasserie Sir John. Que ma belle Jacinthe m'a acheté. Une Ayersville and Pale Ale. J'ai vu passer bière de microbrasserie. J'ai pas vu passer le nom comme tel, mais j'ai vu passer bière de microbrasserie. Je me souviens à peu près c'est qui. Fait qu'écoute, pour ce qui est du dindon, ça va être un diaphragme de la part de Steve. Pour ce qui est de la boisson, ça va être un gilet Godbrousse aux filles de bois dans cette couleur-là. Pour le nom du chien, non, c'est pas Brutus, c'est pas Tueur, c'est pas Killer, c'est pas Ozzy, c'est pas... Non. Le nom? Ouais. C'est Nelly. Nelly. Mais c'est pas notre chien, hein? J'espère que tu l'as précisé. Ouais, c'est pas notre chien, c'est... On fait juste l'éduquer, donc on y fait juste une petite socialisation pour quelques semaines. Comme vous comprendrez, étant chasseur, c'est pas tellement le type de chien avec lequel on se promène. Mais il existe encore aujourd'hui des éleveurs de chiens qui sont assez responsables pour envoyer leurs chiots en socialisation avec des enfants avant de les mettre à l'adoption. Nous, on en connaît un qui fait justement ça, puis nous autres, ça nous fait plaisir parce qu'en même temps, on est capable d'éduquer les enfants sur la délicatesse qu'a besoin un petit chien comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste avec les chiens de chasse qu'on est capable de faire de l'éducation. Alors, le nom du chien, c'est Nelly. Alors, on va regarder tout à l'heure dans les commentaires ou demain dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui l'a gagné. Sinon, ben, ce qu'on fera, c'est que Michel, on remettra ton prix à un autre live. De toute façon, Michel, on se fait un live au chevreuil au début mai. Excuse-moi. À l'ours au début mai ensemble. Oui, ben oui, c'est ça, j'ai mis ça à l'agenda, moi. Parfait. On va être en plein dedans. Fait que là, regarde, la chasse aux dindons est à notre porte. Oui. Là, ça s'en vient. Puis il y a beaucoup de choses à expliquer, notamment plusieurs études qui ont été faites au Québec. Il y a beaucoup d'éléments aussi techniques qu'on a fait ce soir. J'aime ça faire des lives comme on a fait ce soir parce que les gens, ils vont améliorer leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Et puis, ça peut permettre des bons résultats. Puis ça peut permettre, dans le fond, de bio dans le coup. Avec l'ours, on va faire la même affaire. Le 5 mai, si je ne me trompe pas. Nous, on part, il y en a qui posaient la question, on va commencer à vous livrer de la vidéo. On part en Afrique le 7 de mai, là, du 7 au 15, on va commencer à vous livrer de la vidéo. En terminant, n'oubliez pas, il y a une carabine, une petite 22 à gagner si vous allez membre du spot sur martinbourgette.com. C'est aussi là et sur le Mirador qu'on va vous diffuser tout ce qui est behind the scene en Afrique. Donc, les collègues d'animaux directs, on va les filmer là-bas et on va vous les diffuser là-dessus. Ça risque d'être pas mal intéressant. Messieurs, je vous réinvite tous les deux quand vous le voulez. Oui, vas-y, Steve. Martin, juste en finissant, les gens, si vous avez des questions sur votre chasse, sur comment ça déroule, venez, j'ai ma page Facebook, Club Dindon Sauvage Montréal, et on a notre groupe Turkinator, chasseurs de dindons sauvages. Gênez-vous pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est celles qu'on ne pose pas. Merci. On va, puis inquiétez-vous pas, on va rediffuser le lien du podcast de Steve aussi, que vous puissiez l'enregistrer. On vous laisse sur une petite vidéo de nos partenaires et on se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler à Michel aussi si vous avez des questions. Michel est très accessible. On fait partie de ceux qui répondent, vous le savez, à vos questions. Il y en a qui préfèrent se taire. Nous, on préfère vous parler. Messieurs, un gros merci. Bonne fin de soirée. Salut, bonne fin de soirée. Bye bye tout le monde. Bonne chasse. Salut. Bonne chasse. Soyez prudents. Yes.